Diagonale, de retour dans ce grand auditorium de Cannes pour la deuxième partie des demi-finales, des quarts de finale, avec la partie Stéphane Kasparov-Tkachiev. Kasparov-Tkachiev avec un enjeu simple, le vainqueur est qualifié. Et en cas de match nul, ils devront disputer des matchs de départage ce soir à 22h. A noter que Tkachiev a fait une très belle première partie, il a tenu le choc face à Kasparov. Il a même fait mieux que ça, puisqu'il a inquiété Garry Kasparov, il a failli essayer de le battre, hein. Enfin, il a essayé de le battre en tout cas, il a failli y arriver, mais ensuite Kasparov s'est retrouvé un petit peu mieux, et Vladislav a calmé le jeu, il a calmé le jeu, et il a fait nul, donc là il va voir les noirs. À noter que Garry est un boucher quand il a les blancs, il n'est pas là pour rigoler, on le sait, c'est vrai. Oui, ça va être dur pour Tkachiev, savoir est-ce qu'il va réussir à tenir avec les noirs, voire même à inquiéter Garry Kasparov, c'est tout l'enjeu de cette partie. À noter que Kasparov n'a pas perdu de partie avec les blancs depuis très longtemps. Et oui, tout à fait, c'est vrai que Kasparov avec les blancs, il est vraiment phénoménal, avec les noirs aussi d'ailleurs, mais en fait, ça va pas être facile pour Vlad. Je pense que son plan, c'est de tenir dans cette partie. S'il arrive à faire nul, il aura les blitz de départage, et c'est sa spécialité. Kasparov évidemment est très fort en blitz, mais en tout cas, si quelqu'un peut l'inquiéter, c'est bien Vladislav Tkachiev. Et voilà, effectivement, donc là nous voyons pour l'instant la scène. Il va bientôt y avoir la présentation des joueurs et dans quelques petites minutes, nous allons commencer les directs. Oui, les fameux directs, les parties en direct. Alors que là, nous avons deux commentateurs en cabine. On a un plan sur les commentateurs. Ouais, maintenant, vous voyez, on s'est équipé avec des casques, ce qui nous permet donc d'être liés directement au réalisateur. Donc voilà, on peut vous montrer des éléments ici à l'ordinateur qui nous permet de générer le signal. Et donc ça va bientôt commencer, donc on vous invite à regarder un petit peu la salle. Voilà, la salle vue de côté. Et bientôt, Garry Kasparov va faire son entrée sur scène. Il y a également Étienne Bacro contre Yevgeny Barilev, mais ça paraît compromis pour le français. Très compromis puisqu'il a perdu avec les blancs, il faut absolument qu'il essaie de gagner avec les noirs, c'est quasiment tâche impossible contre Barayev qui est un joueur extrêmement solide et qui on l'a vu hier aussi est très fort avec les noirs puisqu'il a gagné contre Étienne Bacro mais il avait aussi gagné contre Joël Lautier avec les pièces noires. Barayev extrêmement fort. Ce qui avait d'ailleurs poussé Lautier au départage et a causé sa perte puisqu'au départage il n'a pas su s'en sortir. C'est vrai que c'est très très difficile, donc Étienne Bacro, là, il a les noirs, il est obligé de gagner contre Yevgeny Barayev. Ça paraît extrêmement difficile, puisque Barayev est un joueur d'expérience, un joueur qui ne laisse pas passer sa proie facilement, et donc ça va pas être facile pour le jeune français, mais le match du jour, c'est quand même évidemment Kasparov contre Tkachiev. C'est le premier quart de finale de Garry Kasparov, et tout de suite il est inquiété, puisqu'il n'arrive pas à passer pour cette première partie, donc il va devoir essayer de gagner avec les blancs, sinon il est poussé au blitz et là tout devient possible. Stéphane, en blitz, tout devient possible, la gaffe est vite arrivée, on l'a vu hier avec hier. Joël Lautier qui a perdu en 12 coups contre Judith Polgar. Et oui, il s'est fait prendre la dame. Joël Lautier, il a pris une tour un peu trop confiant et il s'est fait enfermer la dame, ce qui a provoqué son abandon. Voilà, vous voyez les joueurs qui sont en train de s'installer sur scène. Voilà, Étienne Bacro serre la main de Yevgeny Barayev. Vladislav Tkachiev est là avec le sourire. Ah, il est content. Avec le sourire. Il sait que le public est pour lui. Et il joue là-dessus, Vladislav. Garry Kasparov, il sait que le public est contre lui. Et donc, il ne joue pas du tout dessus. C'est vrai, ça va être la partie du moment. Garry Kasparov contre Vladislav Tkachiev. Voilà, motivé Garry Kasparov. Il faut qu'il gagne. Voilà, on voit beaucoup de gens sur le public, beaucoup de journalistes. C'est l'un grand moment de cette Coupe du Monde. Vladislav Tkachiev contre Garry Kasparov. Ça y est, il se déboutonne la chemise, Garry Kasparov. Maintenant, il commence par ça, puisqu'en semi-rapide, il n'a pas trop le temps de le faire pendant la partie. Ouais. Ah là 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 là. Alors que les journalistes sont là comme des mouches sur le miel à filmer ce grand moment. Et on voit que Vlad aime bien prêter le visage aux journalistes. Hein. C'est-à-dire que Vlad a la capacité à prendre la lumière. Ouais. Il est toujours vers la lumière. On voit Eric Mouret, l'arbitre de cette rencontre. Et qui... c'est parti. Voilà, Kasparov lui a imposé de virer les journalistes. Ça y est, ça commence. C'est parti. E4, E5, joué par Vladislav, cavalier F3, cavalier C6.
Ça va être une espagnole, c'est sûr. Voilà, ça y est, c'est fait. Fou B5 de Kasparov, A6, fou A4. Kasparov, peut-être qu'il n'a pas répété la variante de Kramnik, la berlinoise. Cavalier F6, petit roque. Fou C5, normalement, je joue cette chef. Fou E7, il joue là. Tour E1, B5, ça va très vite. Fou B3, et petit roque. Tout ça, c'est très classique. Kasparov devrait jouer A4. Il n'aime pas le Gambit Marshall. Voilà, c'est fait, il l'a fait. Là, fou B7, tour B8 sont les deux coups dans cette position. Vladislav va jouer fou B7, et oui. C'est fait D3 par Kasparov. Ça chauffe, ça chauffe. Ça va très très vite dans ce début de partie. Et tout ça, c'est très connu. Vladislav connaît bien. Il a sans doute une préparation. Il joue D6. Kasparov joue cavalier C3. Cavalier BD2. Non, cavalier BD2. Il joue le cavalier en D2. C'est un développement plus rampant. Ouais. Il veut le mettre en F1, puis en E3. Cavalier F1, puis cavalier E3. C'est exactement ce qu'il a joué il n'y a pas longtemps, Garry Kasparov. Donc ça ne peut pas surprendre Vladislav. Vladislav, voilà, il sait ce qu'il va faire. Vladislav, il hésite, il recalcule bien. Tour 8. Tour 8. Il répète une partie qu'il a jouée récemment, Kasparov. Oui, ouais, tout à fait. C'est une récente partie de Kasparov. Cavalier F1, voilà, ça y est. C'est une partie avec Anze, sûrement, ou à Linares. C'est une partie de Linares. Je ne sais plus contre qui. J'ai un trou fou. H6. H6. Peut-être contre Peter Leko. Et là, on met le cavalier en E3. C'est ça, c'est la partie contre Peter Leko. Il va jouer cavalier E3, c'est sûr. Fou D2. Fou D2, c'est le développement qu'il avait utilisé contre Peter Leko. C'est un coup malin, c'est une nouveauté. Il empêche le cavalier d'aller en A5. Et ça devrait plonger Vladislav dans une réflexion ici. Normalement. Non, il connaît forcément cette partie, Vladislav. Oui, mais Fou D2, c'est nouveau. Normalement, c'est cavalier E3, le coup, Stéphane, qui avait été utilisé la dernière fois. Fou D2, c'est une tentative d'amélioration de Garry Kasparov. Fou F8, Vladislav ne se laisse pas, c'est pas impressionné. Intoxiquer. Et là, qu'a joué Kasparov? Il a joué tempo. Il a joué C4. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un nouveau concept de Garry Kasparov. Ah oui, c'est un nouveau concept, oui. Ça, c'est pas du tout habituel dans l'espagnol. Alors ça, c'est une préparation faite pour cette partie. Alors là, le pion de B5 de Vladislav est attaqué. Il va devoir bouger, très vraisemblablement. Peut-être soit avancer, soit prendre quelque part. C'est les deux possibilités pour Vlad. Également, on voit l'inconvénient de ce coup C4, c'est que la case D4 devient faible, Stéphane, puisqu'il n'y a aucun pion qui peut revenir la contrôler. Qui peut revenir la contrôler, donc un cavalier pourra s'y installer plus tard. Voilà. Une fois que le cavalier F3 aura bougé, par exemple. Oui, si le cavalier F3 bouge. À noter quand même que cette ouverture est connue pour être complexe, parce qu'aucun pion ni aucune pièce n'ont été échangés. Exactement, c'est ce qu'on appelle la torture espagnole. Ça donne une partie très très positionnelle. Vladislav, là, il est très concentré. Très concentré, Stéphane. On peut le voir sur cette image. Oui. Là, il est vraiment à fond. C'est clair. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est que ce coup, C4? Un coup curieux. On va peut-être dire quelques mots sur cette position, Stéphane. Oui. Alors peut-être. Peut-être le coup B5, B4 est envisageable. Donc là, il va falloir montrer ça. Le coup B5, B4. Qui a l'air d'être a priori le plus solide. Ouais, pour fermer un peu. Pour jouer A5 après. Et jouer contre le fou de case noire. Contre ce fou des deux. Mais également contre le fou de case blanche, surtout Stéphane, puisqu'il serait emmuré par ses propres pions. Ouais. On voit ici ce fou B3 qui peut être amené à se faire enfermer. Donc ici, ça n'a pas l'air super ce que fait Kasparov, mais en tout cas, ça a le mérite d'être surprenant et en partie rapide, c'est important de prendre tout de suite l'initiative. Oui, notamment au temps. Et donc au niveau de la préparation dans l'ouverture, ça surprend, l'autre réfléchit. Voilà, et la preuve est que Kasparov a utilisé que 30 secondes contre presque 4 minutes maintenant à Kachiev. Et oui, Vladislav qui joue l'échiquier. Il a pris en C4. Il a pris en C4. Il a pris en C4, un choix tout à fait responsable de Vladislav. Il faut le voir, puis on prend C4. Et là, Kasparov a repris avec le fou. Le fou de Kasparov devient donc puissant, Stéphane. Oui, il tape sur F7, on peut noter. Voilà, le roi est derrière. Donc ça fait une puissance de feu, une artillerie. Est-ce que Tkachev va jouer A5 dans cette position pour bloquer l'avance possible de Kasparov avec le pion B? C'est tout à fait possible. Qu'est-ce qu'il peut jouer d'autre? Puisqu'on voit que le cavalier de Garry Kasparov est prêt à ressortir. Ah là 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 là. Ça, c'est intéressant, le plan que nous avions là. Très très intéressant. Kasparov voûté sur la table, on le voit. Ah, ça y est, il a joué. Il a joué tour B8, Vladislav, hein, dans un premier temps.
Vladislav a joué tour B8. Et Kasparov a répliqué Kasparov quasiment tempo par fou C3. Fou en C3. Il veut jouer D3, D4. Kasparov fait ouvrir complètement la position pour ses deux fous. La paire de fous ici. La paire de fous qui est très très forte. Il veut ouvrir peut-être avec D4. Et on voit Vladislav là, sur sa chaise. Avec la chaise penchée en arrière, Stéphane. Ouais, il est en équilibre là. Il est en équilibre, pas qu'il tombe. Assez instable. Là, on voit, ça c'est les pieds de Kasparov, je pense. Voilà. On voit la chemise bleue de Kasparov. Et oui, il est nerveux, Garry Kasparov, il est nerveux. Et Vladislav, il est bien repris en arrière. Qu'est-ce qui se passe dans cette partie après fou C3? Eh bien, c'est à Vlad de jouer. Kasparov veut jouer D4. Donc, Stéphane, une proposition pour les Noirs. Une proposition pour les Noirs. C'est ce qu'il nous faut ici. Eh bien, on pourrait jouer... Je sais pas. C'est pas évident, pas évident, évident. Il faut replacer une pièce. Il faut replacer une pièce, c'est sûr. Peut-être cavalier D7. Que faire en C5. Contre D4, ouais. C'est... Ça peut être que pour l'instant, D4 n'est pas possible, puisque si les blancs jouent D4, évidemment, il y aurait prise en D4. Donc, on va regarder cette variante. Sur D4, ici, il y aurait... D4, c'est ce coup-là. Il y aurait prise en D4, et ensuite, le cavalier F6 prendrait sur la case 4. Puisque le pion E4 se retrouvera en prise par les deux pièces. Donc pour l'instant, D4 n'est pas une menace. La menace positionnelle de Garry Kasparov, c'est cavalier E3, suite cavalier F5. Vraisemblablement, c'est thématique dans l'espagnol. Ouais, ce cavalier devient très fort en F5. Il faudrait que Vlad se prémunisse contre ça. Qu'est-ce qu'il va faire? Bilan pendu, là, c'est inquiétant, Stéphane, puisque Vladislav n'a que 19 minutes restantes contre 24 à Kasparov. Il a déjà 5 minutes de retard. Ouais, ça fait beaucoup. Ça commence à être un petit peu dérangeant. Ça risque de jouer pour plus tard dans la partie. Il faut pas que Vladislav se laisse endormir. C'est vrai. Ah, il est plongé dans les réflexions, là. Il faut vraiment savoir gérer son temps. Il s'est fait surprendre par l'ouverture de Kasparov, là, Vladislav, il réfléchit un peu trop. Ça, c'est pas bon. C'est pas bon, il va falloir qu'il accélère le rythme. Et le problème, c'est que s'il commence à accélérer quand ça va devenir plus compliqué, la position, elle est déjà assez complexe, mais si elle devient encore plus compliquée, en accélérant, il risque de faire des gaffes. C'est le problème des parties rapides. On voit Vladislav là. Ah ça y est, il a choisi un coup. Il a joué. Qu'est-ce qu'il a joué? Je crois qu'il a joué cavalier en D7, non? Cavalier E7. Cavalier E7. Il veut replacer son cavalier en G6, Vladislav. Et éventuellement jouer le coup C7, C5, Stéphane. Alors que l'ordinateur mentionne le coup fou prend E5. Fou prend E5, possible. Fou prend pion E5. Ah oui, qui récupère 3 pions. Complètement incroyable. Ça récupère 3 pions. C'est un coup incroyable. Ça serait le coup qui fait le chaos, ça. Si ça marche. On va vous montrer, c'est du virtuel pour l'instant. Fou prend pion E5, pion prend fou, cavalier prend pion. Et le pion F7 est perdu. Et on voit que les deux pièces attaquent le pion F7, qui est perdu. Ici, l'ordinateur propose la défense suivante, cavalier E en D5, qui a l'air très 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 bizarre. En fait, c'est un sacrifice de pion. Après, pion prend D5, et bien on reprend avec le cavalier. Le cavalier ou le fou? Ou le fou, au choix. Peut-être le fou. Le fou. Plutôt le fou. Plutôt le fou. Et donc ici, c'est une position extrêmement complexe. Donc alors, on vous remontre cette position. Cavalier E7 vient d'être joué par Vlad. Le coup critique, c'est fou prend pion E5 pour Kasparov. Sacrifice de Kasparov possible maintenant dans cette position avec fou prend pion E5. Et sinon, Vladislav va mettre son cavalier en G6 et il aura une position très jouable. Il peut même envisager après de jouer C7, C5 avec plutôt une belle position. Je pense que Vlad n'a pas à être inquiet. Il n'a pas à être inquiet dans cette position. Il doit être assez satisfait de son ouverture, Vladislav, quand même. Alors, est-ce que Vladislav menace pas de jouer D5? Alors, D5, Stéphane, c'est un peu trop chaud, le pion E5 deviendrait vraiment faible. Alors, c'est dangereux, ce coup-là, qu'il a joué Vlad, hein, avec cavalier E7. Là, si Kasparov réplique par fou prend E5, après avoir calculé, on peut dire que... C'est pas une bonne nouvelle. Ça serait pas une bonne nouvelle. Mais je crois que, néanmoins, que la position de Vlad serait tout à fait bonne, fou prend pion E5, n'ayant pas l'air d'être un coup extrêmement fort. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, on peut dire que Kasparov réfléchit. On le voit là, en train de réfléchir. Ouh, petite moue de Garry. Ça veut dire qu'il a vu quelque chose. Parce que Garry ne fait pas la moue par hasard. Non, hein. C'est vrai. Vraiment, ce Garry Kasparov, il est phénoménal. À force de commenter ses mimiques, Stéphane, je crois qu'on va peut-être devenir fou. Oui, parce qu'on n'arrive jamais à le décrypter. On n'arrive pas à le décrypter. Et alors, j'ose à peine imaginer ce qu'a dû endurer le pauvre Anatoly Karpov.
à avoir le même adversaire pendant 15 ans. Ils ont joué plus de 130 parties de 4 heures en moyenne. Ça veut dire que les joueurs se sont retrouvés plus de 700 heures l'un en face de l'autre, avec un Garry Kasparov faisant des mimiques. Ça doit être délicat pour la santé mentale d'Anatoly Karpov. Alors que nous allons jeter un petit coup d'œil sur Étienne Bacro. Le voilà. Étienne Bacro, donc concentré, mais une position pas terrible. Barayev semble serein. Le voilà, Yevgeny Barayev. Il a joué une ouverture très solide. Il prend pas de risque, Barayev. C'est un spécialiste. Alors que Kasparov a joué le coup cavalier G3. Donc il rentre pas dans la complication. Il n'a pas osé, Garry Kasparov, jouer fou pour E5. Il a eu peur de la préparation, peut-être. C'était une préparation de Katchev. Peut-être surtout que ce n'était pas bon. Ou alors qu'il ne l'a pas vu. Vlad va jouer cavalier G6. Là, c'est très probable. Ça y est, c'est fait. Cavalier G6, pas de bluff avec Vladislav. Il met ses pièces au bon endroit. Ah, alors que l'échiquier semble bloqué. Oui, l'échiquier s'est bloqué, mais ça, c'est normal. Cavalier G6. Cavalier G6, voilà, ça vient d'être confirmé, validé. Les deux cavaliers montent sur les cases. F4 pour Tkachiev, F5 pour Kasparov. Il y a une sorte de balai de cavaliers. Mais ici, je vous le garantis, Vladislav n'est pas plus mal dans cette position. Il a plutôt même une belle position, Stéphane. Il a bien réussi son ouverture contre Garry, là. Oui, une position tendue. Alors peut-être maintenant qu'il menace D5, non, toujours pas. Oui, il peut envisager de jouer D5 dans certains cas, puisque l'option E5 a été bien défendue. Mais en tout cas, ce qu'il faut voir, c'est maintenant la tête de Kasparov. Voilà, il est là, Garry Kasparov. Alors que Vlad, toujours avec sa chaise en arrière. Alors que notre ordinateur est en train de juger la position comme égale. Tout à fait. Un jugement informatique, puisque la position est évidemment très complexe. Il faut dire qu'avec ces joueurs, c'est deux des joueurs les plus charismatiques qui existent. Ils sont là pour jouer aux échecs, pour bien jouer aux échecs, mais aussi pour le spectacle. Ils font des belles parties, ils bougent beaucoup. Voilà, Vladislav Tkachiev, là, il est à fond. Il est vraiment à fond. On rappelle quand même que Vlad a été quart de finaliste du championnat du monde de partie longue cette année. Et il a été éliminé par Grichuk. Grichuk. Oui. Le jeune Grichuk qui, pour l'instant, passe un sale quart d'heure dans ses quarts de finale puisqu'il est en position inférieure contre Gourevitch puisqu'il a perdu la première partie. Gourevitch, champion du monde sortant. Vraiment, ça fait beaucoup de champions du monde. Il n'y a que des beaux joueurs ici à Cannes, Stéphane. Oui, c'est vrai. C'est quand même un très beau plateau. Voilà, la chaise. La chaise en arrière. La chaise en arrière. Katchev, il joue sa partie, la partie de son année au moins. Contre Kasparov. Ouais, tout à fait. Il ne rencontre pas souvent Garry Kasparov. C'est peut-être même sa première confrontation face à Garry. Et ça, ça le chauffe. Étienne Bacro, champion de France 2000, sur l'écran. Concentré, mais bon, il obtient des chances contre Barayev, mais ça sera quand même très très difficile. Il faut surtout regarder la pendule. Ils sont équilibrés, 18 minutes chacun pour l'instant. Voilà, Yevgeny Barayev très calme. Étienne Bacro un peu inquiet. Il n'a que 17 ans, Étienne. Et pourtant, il a déjà l'air très très fort dans sa tête, très très sûr de lui. Kasparov a joué. Kasparov a joué. D4. Le coup D3, D4. D3, D4. Ça, c'est un coup explosif. C'est un coup responsable. Il veut mettre le feu au centre. Menace de prendre en E5 pour libérer complètement son fou C3. Pion E5, effectivement. Il a une paire de fous, Garry, qu'il a envie de faire jouer. Là, nous attendons le coup de Vladislav. Pion prend D4, vraisemblablement, avec les noirs. Il va prendre en D4 maintenant. Au niveau du temps, il reste 20 minutes à Garry contre 15 à Vladislav. Il va falloir quand même que Vladislav accélère. Oui, mais là, 5 minutes de retard, c'est quand même beaucoup. Stéphane, on a du mal à comprendre. Là, il faut rester sur cette position parce qu'elle est quand même extrêmement compliquée. Extrêmement compliquée, la position. Donc, il faut bien la regarder. Ici, il pourrait y avoir... Pion prend D4. Pion prend D4 et sur le quoi on répondrait par dame prend D4 probablement. Pion prend D4. Il faut simuler ce coup. De toute façon, il est forcé, Stéphane. Il est obligé de jouer pion prend D4, pratiquement Vladislav. Et après dame prend D4 de Garry Kasparov, eh bien là, il y a plusieurs possibilités. On peut jouer C5, le coup dynamique. On peut peut-être envisager cavalier E5. Mais ça a l'air moins bon, cavalier E5. Pas facile. Il est en train de bien vérifier, Vladislav. C'est quand même très très chaud, cette position. D4 joué par Kasparov, c'est le dernier coup joué dans cette partie. Et là, plan sur les pièces. Ouais, un plan immobile. Les deux joueurs ne bougent pas d'un si là, si Vladislav bouge un peu là maintenant.
Oui, Vladislav. Il a à noter que Vladislav, lui, ne quitte pas la veste. Voire même le cuir. Il ne quitte pas le cuir. Vladislav est en cuir. Il a l'air. Est-ce qu'il a pas l'air un peu fatigué? Il a pas des cernes sous les yeux? Un petit peu, peut-être il a fait la fête hier. Il a pris. Il a pris en D4. Il a pris en D4. Pion et prend Kasparov a repris de la dame instantanément tempo. Par la dame. Et là, protégeant son pion 4. A noter que ce pion 4 était attaqué. Si on avait repris du fou, oui. Eh bien ce pion 4 serait tombé puisque le cavalier aurait pu prendre. Il est attaqué trois fois le pion 4. Donc en prenant de la dame, il protège le pion une fois de plus. Voilà, le pion est maintenant protégé trois fois également. Vous voyez, trois pièces vertes qui attaquent, trois pièces jaunes qui défendent. Donc on ne peut pas prendre le pion. Maintenant, question, que va jouer Vladislav? Évidemment, c'est tout le problème. La position est égale. Alors que l'ordinateur mentionne C5 avec égalité, ou cavalier D7. Ou dame C8, un coup curieux. Dame C8, c'est plus bizarre. Dame C8, on se demande ce que la dame vient faire là. Mais c'est un coup informatique. Je pense pas que Vladislav va jouer. Vladislav, il préfère mettre les pièces au bon endroit. Donc je pense que C5 m'a l'air la bonne option pour Vlad. Il est toujours derrière... Ouais, voilà. Il bouge, quoi, sur sa chaise, Vladislav. Ouais, mais Kasparov aussi, on voit qu'il bouge bien la jambe, Kasparov. C'est deux joueurs très nerveux. Très, très nerveux. Ça change, il y a quand même un contraste énorme entre cette partie-là. Il reste plus que 12 minutes à Vladislav contre 20 minutes à Kasparov. Ça, c'est énorme, ça va se jouer sur le temps, cette partie. C'est beaucoup, 8 minutes d'écart, c'est beaucoup trop. Oui, ça serait dommage que Vladislav c'est beaucoup trop. Se trompe. Dommage qu'il perde dommage autant. Ah ouais, ça serait dommage quand même. Mais bon, attention Stéphane, ce n'est pas encore fait. Il se fait dominer autant, oui, mais c'est à noter que si il se fait dominer comme ça autant, en blitz, il va perdre. Pourquoi? Ben, il pourra pas réfléchir autant en blitz. Oui, non mais Kasparov non plus. Le blitz n'a tout simplement rien à voir, Stéphane. Oui, mais en fait, j'ai bien peur que s'il est dominé autant en partie semi-rapide, il le sera aussi en blitz. Et on sait que si on est dominé autant en blitz, ben on perd la partie. Un jugement qui n'engage que toi, moi je serais curieux de voir les blitz entre Vladislav et Gary. Mais pour cela, il faut que Vlad tienne le coup. Barayev, lui, il joue tranquille, je crois que là, oui, ça y est, là. Barayev a asséné un sale coup. Ah, Étienne. Ah, ça y est, Vlad a joué. Le coup, C5. Non, D5. D5. Ça, c'est un coup simplificateur. C'est un coup simplificateur. Kasparov a pris tempo en D5. Tempo, ça veut dire tout de suite. Il semblerait que D5 ne soit pas un coup très judicieux. Tour prend tour a été joué. Il faut rester là. Kasparov va reprendre la tour, voilà, c'est sûr. C'est sûr, ça y est, il l'a fait. Il l'a fait. Et maintenant, il faut prendre en D5 avec quelque chose, Stéphane. Mais avec quoi, c'est la question. Soit avec le cavalier, soit avec le fou. Il semblerait que D5 ne soit pas un coup très judicieux. Cavalier prend pion en D5. Maintenant, les pièces de Kasparov sont toutes au mieux de cavalier très fort vers le roi. De fou très fort vers le roi, la tour sur la colonne ouverte, la dame centralisée. Il y a une énergie potentielle dans les pièces de Kasparov qui fait peur. Oui, c'est très risqué ce qu'a fait Vladislav là. A noter que pour l'instant, l'argument de Vladislav, c'est que son cavalier attaque le fou. Et donc il risque de gagner la paire de fous, c'est possible. C'est ça qui pose problème à Garry Kasparov. Voilà ce qui a été joué. Tour D1 a été joué. Tour D1. Il faut que Vladislav joue plus vite. Ouh là 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 là, ça va pas du tout ça Stéphane. Ça va pas du tout, il est très très mal là, Vladislav. Arr. Non, c'est... il peut jouer C6 mauvaise pour nouvelle. Protéger son cavalier. Oui, mais C6, c'est ce coup-là. Ça tue un peu le fou D7. Ça tue le fou, ouais. Et les pièces de Kasparov sont super actives. Il peut jouer cavalier F5 maintenant. Oh là là. Aïe aïe aïe. Vladislav, il est pas bien. Oui, il a joué D5, un coup quand même un peu trop ambitieux, peut-être. D5, c'était une tentative. Ah là là, qui lui reste. Cavalier GF4, voilà, c'est le coup que j'avais envie de proposer. Cavalier GF4, aïe 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 aïe. Alors que cavalier F5 semble fort. Cavalier F5, c'est le coup qui ennuie les noirs. Bon, c'est vrai que c'est pas évident tout ça. Il a peut-être C5 intermédiaire dans certains cas. Mais les pièces de Kasparov ont l'air extrêmement bien placées. Mauvais. Tout ça, ce n'est pas bon. C5, attention, il y aurait cavalier prend H6. Ah, à noter, Stéphane. Il y aurait cavalier prend H6, c'est loin. Cavalier F5, C5, cavalier prend H6. Oui. Échec, c'est vrai. Alors, enfin, C5, effectivement, c'est pas un très bon coup. Mais cavalier F5, c'est le coup ennuyeux. C'est un coup très fort que Kasparov va sans doute jouer. Il lui reste à Garry Kasparov 19 minutes. Il n'en reste que 11 à Vladislav. Cavalier F5, ça y est, c'est fait. Oh là là, il est horrible.
Il est joue horrible. cavalier F5. Attention, alors la menace, évidemment, c'est cavalier prend G7. Oui. Cavalier prend G7, gagne un pion. Et Tout le à roi fait. noir est complètement dans les vapes. Autre menace, cavalier prend H6, comme tu l'as dit, Et Stéphane. cavalier prend H6 aussi, puisque Il y aurait dame sur pion prend H8 cavalier, il y mat. aurait dame H8 mat. Alors là, Alors là. qu'est-ce qui se passe sur cavalier prend fou C3, Stéphane? Eh bien, simplement, il y a la dame et la tour. Donc dame prend dame, et c'est fini. Ouais, tout à fait. On ne peut pas prendre. Qu'est-ce qu'il a joué? Vlad, il n'a pas joué. Sa pendule tourne trop vite. Beaucoup trop vite, alors que Dame F6 semble être le seul coup dans cette Ouais, dame position. F6 semble être le seul coup. Faut avoir les nerfs pour jouer Dame F6, parce que quand même, on met la dame en vis-à-vis avec le fou. S'il le voit pas, Vlad, s'il voit pas dame F6, c'est foutu. Attention, Vlad voit quand même peut-être aussi bien que l'ordinateur, Stéphane. Il faut pas quand non plus. Mais dame F6, ça va créer Déconner. des affaiblissements de pions. Dame F6, oui, mais enfin, si on prend la paire de fous, ça va. Ouais. Si on prend la paire de fous, ça peut aller. Non, Dame F6, c'est le Il bon faut qu'il coup. le voie, Vlad. Ah là là, il bouge sur sa chaise. Ouh. Mais je pense qu'il l'a vu, mais qu'il n'a pas envie de le jouer. Il n'a pas envie de le jouer parce qu'il sait que ça va être horrible après. Ça va être horrible contre Ah là Garry là, Kasparov. autant, il lui reste que 9 minutes contre 19 minutes à Kasparov. Il se fait complètement dominer autant là, Vladislav, là, s'il joue pas plus vite, il va perdre la partie tout simplement à la pendule. Ça, c'est pas une bonne nouvelle. C'est pas une bonne nouvelle. C'est pas une bonne Ah là là nouvelle. là 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 Devant là son là là public, a là. noté Stéphane que la salle est quasiment pleine. En tout cas, le bas de la salle qui fait 1000 places. Il doit bien y avoir presque 700 personnes dans ce grand auditorium de Cannes. Et ça, Il c'est faut jouer assez dame F6, c'est le impressionnant. seul coup. Dame F6 est forcée. Peut-être que nous pouvons profiter de cet instant de détente pour jeter un coup d'œil à nos deux joyeux sbires. À nos deux joyeuses. Enfin, la deuxième demi-finale. Étienne Bacro, qui est en passe de se faire sortir, mais il semblerait qu'il ait trouvé quelques petites chances d'attaque contre Yevgeny Barayev, que l'on voit ici. Yevgeny qui regarde l'écran, il n'a pas l'air du tout tendu. Donc, avantage Barayev, sachant qu'il mène 1-0, et que si Étienne ne revient pas dans cette partie, eh bien, il sera tout simplement éliminé, et Barayev sera qualifié. On va revenir sur Kasparov contre Vlad. Ouh, Kasparov s'est plaint. Ah. Il s'est plaint, il a regardé le public, Il a alors que regardé le Vlad public. s'approche. Il s'approche de Garry Ah, il faut qu'il Kasparov. joue, Vlad. Là, il reste 8 minutes. Là, c'est le stress, là, c'est le Il stress. reste plus que 8 minutes contre Oula, 19 minutes à mais. Kasparov. C'est énorme la différence de temps. Il a l'air très fatigué, Vlad. Il a l'air très très fatigué, on l'a vu sur le plan précédent. Ah, Kasparov? Oh, Kasparov est. il a vu quelque chose. Il se touche la cravate. Mais qu'est-ce qu'il a vu? Qu'est-ce qu'il a vu? Il est serein, Kasparov. Il a l'air serein. Alors que Vlad va jouer son coup. Il va jouer Dame F6 là. En tout cas, il a le mouvement de la main qui va prendre la Dame D8 pour la mettre en F6. C'est sûr. Oh. Eh oui, il a joué Dame F6. C'était sûr. Il n'avait pas le choix, Vladislav. Il a joué dame F6. C'est fait. Beaucoup Voilà, de maintenant réflexion le pour jouer Dame problème F6. c'est que les blancs peuvent prendre en F6 et créer des pions doublés chez les noirs. C'est vrai. Pion dame prend F6, cavalier prend F6, fou prend F6 et pion prend F6 avec des pions doublés. Dame prend, cavalier prend. Et un cavalier F5 qui va être indélogeable. C'est vrai, mais d'un autre côté, si on a pris la paire de fous, Stéphane, eh bien, il n'y aura pas de problème pour Vladislav. Donc c'est pas ça qui est inquiétant, ce qui est inquiétant surtout, C'est le si on temps. peut le montrer, mis à part la pendule, on va montrer cette variante. Dame prend F6, c'est virtuel, Kasparov ne l'a pas encore fait. Cavalier prend F6, et maintenant peut-être cavalier prend H6. Sur un thème bien connu. Et après, pion prend, fou prend, cavalier F6. Et ici, il y a un pion de plus pour Garry Kasparov. Et donc, c'est pas facile pour Vladislav, ça. Ça serait une finale difficile à tenir. Et la variante a l'air forcée. Après Dame F6, si Kasparov joue Dame prend Dame, il l'a fait Garry Kasparov. Dame prend dame. Il a joué Dame prend Dame, on va montrer ça. Et Vladislav reprend avec le pion G. Il faut absolument montrer ça, puisqu'il n'a pas pris comme c'était attendu. On vous remontre les derniers coups. Il a Dame prend Dame, joué par Kasparov. pion Pion prend. prend, Ouais, ça a joué par l'air d'être plus Vladislav. solide. Ça évite de perdre un Ça pion. évite de perdre un pion. La menace, c'est de prendre en C3. Kasparov devrait rapatrier le fou en D2. Ça paraît logique. Donc voilà, pour l'instant, nous en sommes là. Avantage Kasparov, qui a eu infligé à Vladislav une faiblesse dans sa structure de pion. Alors on voit Vlad. Il a l'air un peu inquiet et surtout très fatigué. Oh, il a jeté un coup d'œil à Kasparov. Il a jeté un coup d'œil méchant à Garry Kasparov Vladislav.
Alors qu'on me signale que Vladislav aurait été vu dans un bar hier soir très tard. Et il est coutumier du fait d'ailleurs. Ouais, c'est un fêtard, Vlad. C'est un fêtard. Peut-être il a fêté sa qualification hier Et aujourd'hui. Et aujourd'hui il en paye le prix. Ouais, mais à noter que s'il bat Kasparov, eh bien, il ne dormira plus avant les demi-finales, puisqu'il ne dessoulera pas. Il ne dessoulera pas. Eh oui. Allez, Vlad, il faut tenir maintenant contre Garry Kasparov, ce qui te permettra d'aller faire une sieste et donc de te reposer pour les blitz de départage qui s'annoncent très très chaud s'il y en a. Stéphane, on joue pour un titre quand même important. Ouais, champion du monde de partie rapide. Champion du monde. World champion, the best in the world, le meilleur joueur de la planète en partie rapide. Enfin, c'est plutôt une coupe du monde alors, c'est vainqueur de la coupe du monde, c'est pas tout à fait pareil. Eh oui, mais le vainqueur de la coupe du monde est considéré comme étant le champion du monde. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Puisqu'il n'y a pas de championnat, qu'il n'y a qu'une coupe, eh bien ça se passe comme ça. Alors, Kasparov réfléchit, ça y est, Kasparov il prend son temps, ça fait 4 minutes qu'il réfléchit dans cette position. Alors que Vladislav est toujours sur sa chaise en train de bouger. C'est clair. Alors qu'autant, il reste 16 minutes à Kasparov contre 7 minutes à Vladislav Katiev. 7 minutes. C'est très peu. C'est pas beaucoup. Là, Kasparov peut réfléchir longtemps pour trouver le plan. Kasparov, en général, joue par séquence, Stéphane. C'est-à-dire qu'en fait, il calcule et ensuite il joue 3 coups tempo. C'est son truc pour faire réfléchir ses adversaires. Moi, je ne suis pas partisan de cette méthode. Je préfère réfléchir. Après chaque coup. Oui, alors que là on voit les deux joueurs très tendus. Kasparov est en train de réfléchir à la suite de coups qui va asséner. Alors que Vladislav reste immobile, debout sur sa chaise, avec son cuir qu'il n'a pas quitté. Il ne quitte plus son cuir, Vladislav. C'est peut-être son fétiche qui lui aurait été offert par... une admiratrice, Kasparov, là, qui jette un œil vers les écrans géants. Étienne Bacrot, qui joue Étienne Bacrot. Alors, j'ai la position sous les yeux et je peux vous dire que Étienne n'est pas si mal dans cette position. Il n'est pas si mal. C'est complexe. Il peut peut-être créer la surprise, Étienne Bacrot. Ça serait vraiment une surprise qu'il arrive en blitz contre Barryev, c'est-à-dire qu'il arrive à le battre avec les noirs, alors que Kasparov n'a toujours pas joué. Il est en train de réfléchir dans une position curieuse. Ah, ça y est. Il a fait feu. Qu'est-ce qu'il a fait? Je crois qu'il a été de l'avant. Fou D4. Un coup qui va de l'avant, Stéphane. Un coup tranquille. Plusieurs propositions. A noter que ce coup perd la paire de fous et ce n'est pas habituel chez Kasparov. Oui, parce que C5 peut venir. C5 gagnerait la paire de fous, puisque le fou serait obligé de revenir soit en C3, soit en E3. Et dans tous les cas, le cahier des 5 viendrait le prendre. Donc, un choix curieux de Garry. Ouais, mais ça fait réfléchir Vlad et ça c'est pas bon parce que 7 minutes, il reste maintenant moins de 7 minutes. Et il a joué tempo Vlad, il a joué très très vite. Il a joué fou C8. Je chasse le cavalier F5 qui est mon ennemi dans cette position. Pas mal ce coup. Il va le replacer le fou, il va le remettre sur la case E6. C'est bien vu puisque le fou D4 de Kasparov empêche le cavalier d'y aller. Donc le fou sera bien placé en E6. C'est bien vu de la part de Vlad, d'autant plus qu'il fait jouer sa tour B8 vers le pion B2. Donc ouais. Ici... peut-être un coup que Kasparov n'a pas prévu. Il est en train de revenir, Vladislav. Il est en train de revenir. C'est extraordinaire. Ouais, il joue très précis, là. Bah, il est très fort. Il est très fort. Il est vraiment phénoménal. La chaise en arrière, alors que le public a l'air extrêmement chaud ici à Cannes. Alors que l'estimation est presque à Marseille. L'estimation de l'ordinateur est redescendue. Donc, c'est ce qui prouve que Vlad a joué assez précis. Peut-être Kasparov un peu moins. En tout cas, selon les critères de l'ordinateur. Selon les critères de l'ordinateur qui sont toujours effectivement à prendre avec des pincettes, puisque ces joueurs-là sont capables de battre l'ordinateur. Ah, ça y est, il a joué, il y a eu deux coups. Cavalier E3, joué par Kasparov. Vlad prend ce cavalier. Vlad t'a pris en E3. Coup très curieux. Très curieux. Ah là là là. La prise en E3 est un coup curieux, puisque Kasparov peut reprendre du pion et ensuite chasser le cavalier F4 de Vlad. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a vu quelque chose sur pion prend, il veut jouer fou aussi, Vladislav. C'est ça l'idée. Il a prévu ça. Fou aussi, c'est si le fou s'en va. Il y aura la case 2. Voilà. Une des idées de Vladislav Katchiev. Mais est-ce que Kasparov va ouais, se faire? Ouais, mais ça perdra le pion F6. Eh oui, c'est un problème.
Oh là là, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'il a pris en E3 comme ça? Alors Eh Kasparov a oui. repris avec le pion F. Vlad est revenu avec le cavalier sur la case E6. Ça perd le pion F6 de Ça toute perd le pion évidence. F6. Donc il y a Ça perd un perte pion. d'un pion. Ah eh oui. Mais après il peut jouer fou G7 peut-être et contre-attaquer sur le point B2. Mais enfin, on a du mal à y croire dans cette position. Il semblerait que Kasparov fasse une nouvelle victime. Il a pris en F6, ça y est, Kasparov. Et Vlad a joué fou G7 direct. Fou G7. Ça a l'air de tenir. Fou prend fou, joué par Kasparov, roi prend. B3. Voilà. Voilà, il consolide son pion de plus. C'est problématique là. C'est très problématique pour Vladislav. Il a une position perdante. Il est mal au temps. C'est très très difficile. C'est très difficile là, oui. Kasparov est vraiment très Kasparov très en passe de fort. se qualifier. Roi F6. Le C'est roi impossible à battre, monte au Kasparov. filet. Quand il a les blancs, il est vraiment très fort. L'ordinateur mentionne le coup tour F1, qui a l'air de gagner tout de suite, effectivement. Puisque le pion F7 est très faible, ne pourra pas être défendu. Après tour F1, Vladislav se retrouve Et pourquoi il joue vraiment roi F6? très très mal. Oh là là, quel C'est coup. un réflexe, Stéphane. On monte le roi en finale. Et c'est pas toujours très bon. Il y a des réfutations tactiques, des problèmes tactiques. C'est le cas ici. Kasparov a 13 minutes et Vlad n'en a plus que 5. Ouais, il joue tour F1, Kasparov. Ouais, il est vraiment Il rate rien. injouable. Non, il est complètement injouable. Injouable. Complètement injouable. Eh bien, nous aurons donc Garry Kasparov qui affrontera le vainqueur du match. De quel match d'ailleurs? Le vainqueur du match Gourevitch contre Krychuk. Qui sera sans doute Gourevitch. Ça, sans doute Gourevitch qui a gagné la première. Enfin, on verra ça tout à l'heure. Gourevitch qui a surtout gagné la première Coupe du Monde, alors que Étienne Bacro pour le moment est moins bien, légèrement moins bien. Il est vissé par Baraïef, mais enfin, c'est encore jouable. Voilà. Vladislav va peut-être trouver quelque chose, mais on a du mal à y croire, puisque là, il avait passé sous la barre des 5 minutes. Et ça ne pardonne pas. L'ordinateur affiche un avantage de plus 1,66 pour Garry Kasparov. Ce qui équivaut donc à un gain technique. En tout cas, un énorme avantage. Et en finale, l'ordinateur fait peu d'erreurs. Ça se voit. Vladislav a un pion de moins. Ses pièces sont mal coordonnées, mal harmonisées. Ce n'est pas dans son style. C'est affreux. C'est affreux, Affreux. Vladislav complètement qui affreux. joue. Vladislav qui a joué. Le 1 coup. Tour B6, considéré comme étant le plus fort par l'ordinateur. Et là. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a cavalier H4 échec, problématique. Kasparov, qui adore mettre ses cavaliers sur les cases F5, Ouais. va sans doute réussir à le mettre ici. Il va aller sur cette case. Oh là, ça y est, c'est terminé, c'est terminé. Non, là, il n'y a plus d'espoir pour Vlad. Kasparov réfléchit, mais là, il est impitoyable dans ce genre de position. Garry Kasparov, pour lui, c'est une pure formalité. Il n'y a aucune chance qu'il aura de ce coup. Alors que le petit Étienne que l'on voit ici est en train de souffrir. Il souffre, Étienne Bacro. Il a une position pas facile. Donc, il a l'impératif de gagner. Voilà, Baraïef vient de proposer l'échange des dames pour aller en finale et donc pour assurer au minimum la nulle. Difficile pour les franco-français. Alors que Kasparov a joué quai D4 échecs. Moi j'ai 7. Roi G7 joué par Vlad quasiment à tempo. Là, il y a cavalier F5, coup très fort. Qui fait mal et qui a l'air tout simplement de gagner la maison. Et oui, c'est fini après cavalier F5 échec. Vladislav va sans doute abandonner puisque il n'a plus aucune chance de s'en sortir. Il va perdre encore un pion. Voilà, vous voyez ici la position des pièces de Vladislav Kachiev qui sont voilà cavalier F5 joué par Kasparov. Vladislav va quand même se battre. Il a joué roi en H7. Et là, il y a le coup cavalier D7. Cavalier E7, oui. Cavalier E7, oui, Qui qui attaque en fou attaque C8 et et fou le pion C8. F7 est attaqué par la tour. Et le pion F7, cavalier E7, c'est le coup qui doit faire abandonner normalement. Il a joué. Il l'a joué. Voilà. Cavalier E7 qui gagne encore un. Il reste 12 minutes à Kasparov, Ah, puis 4 à Vlad. ça menace autre chose. Ça menace un. Ça menace mat, Ça sans doute. menace mat. Ça menace un mat. Ah, ça y est, c'est l'abandon. Abandon de Vladislav Kachev, élimination. Alors que le public applaudit. Le public applaudit. Voilà, ils se parlent. Kramnik et Kachiev et Kasparov. Garry Kasparov lui explique que c'était sans doute pas clair et qu'il a raté quelque chose. Garry Kasparov, de toute façon, qu'est-ce qu'il est en train de dire à Vlad? Il est en train de lui dire, j'ai raté ça.
Ouais. Alors qu'il a gagné la partie et qu'il devrait plutôt lui dire t'aurais pu mieux jouer. Lui, non, moi j'ai pas bien joué à tel moment. C'est son style à Garry Kasparov. Eh oui, Garry Kimovic Kasparov, il est content ici. Il affrontera donc le vainqueur de la partie Gourevitch-Krychuk. Très beau match, surtout si c'est Gourevitch, parce que Gourevitch est champion du monde sortant, ne l'oublions pas. Donc nous allons passer maintenant à la partie Bakro-Barayev. Étienne Bakro. Étienne Bakro qui est en train de jouer. Il joue le tout pour le tout, Étienne Bakro, avec fou à 6. Maintenant, comme nous n'avons pas la position, oui, je crois qu'on va arrêter là. Nous allons nous quitter. On vous dira sur le chat tout de suite ce que fait Étienne Bakro. Et donc, voilà, donc je vous donne rendez-vous tout de suite sur le chat. En attendant, Garry Kasparov qualifié, Stéphane, bonne nouvelle ou mauvaise nouvelle? Bonne nouvelle pour le spectacle, parce que si on a un match Kasparov-Gourevitch, ça va voler très haut, puisque ça sera le numéro 1 mondial contre le vainqueur de la précédente Coupe du Monde. Donc ça va être explosif. Tout à fait, donc c'est bien pour Kasparov, c'est bien pour le public, mais c'est dommage pour le public cannois, puisqu'ils sont fans de Vladislav Kachiev. Donc on vous laisse sur ces images de Bakro-Barayev. Le vainqueur, donc probablement Barayev dans ce match, jouera contre le vainqueur de Adam Spolgar. On vous donne rendez-vous donc tout de suite sur le chat, mais tout à l'heure, Stéphane, à 18h30, pour la partie, pour la dernière partie des quarts de finale avec Polgar Adams. Merci de nous avoir suivis. Bonjour et bienvenue de nouveau pour ces quarts de finale championnat du monde d'échecs de partie rapide à Cannes avec Stéphane Laborde et Robert James Fontaine. Bonjour Robert. Bonjour Eloi, bonjour Stéphane. Alors pourquoi tu l'appelles Robert James? Eh bien c'est parce que c'est son deuxième prénom et c'est également celui de Bobby Fischer, Robert James Fischer donc, et c'est un prénom prédestiné Robert. Eh bien oui, peut-être. Sans doute. En tout cas, nous sommes ici pour regarder le beau match Adams contre Polgar. Ils ont fait nul dans la première partie, assez laborieuse. Assez laborieuse, puisque les deux joueurs n'arrivaient pas à mettre le feu à l'échiquier. Donc tout d'abord une précision, Kasparov s'est qualifié facilement, entre guillemets, en battant Vladislav Kachev dans la deuxième partie. Très belle partie d'attaque, Kasparov était content, Vlad un peu déprimé, un peu déçu, il pensait avoir fait des fautes dans cette partie, il en a effectivement fait. Mais c'est pas grave, donc Kasparov qualifié, deuxième partie, Étienne Bakro n'a pas résisté. Ah, Yevgeny Barayev, l'impitoyable russe. Oui, Étienne a fait nul. Il avait un pion de plus dans une finale, il n'a pas su. C'était pas assez suffisant pour gagner, donc il est éliminé de la compétition. Éliminé, le français. Et donc, il ne reste plus aucun français. Ils ont tous les deux été éliminés dès les quarts de finale. Alors maintenant, nous allons commenter Adams Polgar. Le vainqueur de ce match jouera Barayev. Donc, tout est possible. Michael Adams a les blancs. À noter qu'avec les blancs, il est pénible. Il est pénible et il joue toutes ses parties à fond. À mon avis, ça va être une autre envergure que la partie précédente, puisqu'il va jouer beaucoup plus agressif. Eh oui, tout à fait. Donc ça risque d'être intéressant. Très très intéressant, cette partie Adams contre Judith Polgar. L'autre partie, c'est Krychuk contre Gourevitch, avec un avantage Gourevitch, Gourevitch, puisqu'il a gagné la première. Le joueur belge surmotivé. Et champion du monde en titre. Tout à fait. Donc voilà. Un champion alors du monde que là, semi-rapide. Nous sommes à l'écran. Et oui. Donc il y a Robert qui va se lever. Et à chaque fois. Et oui. Voilà.
car il est sur un caisson un peu léger. D'ailleurs, on peut tous se lever, comme ça on pourra tous nous voir. Voilà. Voilà. Donc Stéphane Laborde, Robert Fontaine et Éloi Relange, c'est moi en rouge. Avec lunettes bleues. Voilà, tout à fait. Donc, Éloi qui est casqué comme dans 2001, Odyssée de l'espace. Et oui, il faut ce qu'il faut pour ressembler à nos idoles, donc Thierry Roland et Jean-Michel Larquet, que nous saluons au passage. Ouais. Voilà, tout à fait. Alors, maintenant on va peut-être regarder les plans de la salle, parce que tout ça est sympa, mais ne fait pas avancer le schmilblick. Voilà, on attend que Nick reprenne un plan plus large. Nick, c'est évidemment Nicolas, notre cadreur choc. Alors, l'équipe de choc qui est venue ici, puisqu'on nous sommes 6. Un cadreur, un réalisateur, un monteur, un preneur de son, un directeur d'opération. Directeur d'opération, oui, tout à fait. Il s'agit qui est parti, qui a laissé sa place. Et même 7 avec Robert qui nous rejoint. Voilà, tout à fait. Alors les joueurs commencent à entrer en scène. Voilà. Nous voyons Grichuk. Grichuk qui est voilà, contre Judith Polgar. Il se serre la main. Tout à fait. Adams et Polgar. Adams et Polgar qui s'installent. Adams, que nous avons vu juste avant la partie, qui est toujours très très cool. Il est venu d'ailleurs avec sa femme, qui s'appelle Tara, qui est tout à fait charmante, c'est sûr. Et là, il va jouer contre Judith. Judith Polgar, la reine de l'échappe, comme on l'appelle. La reine de l'échappe, ouais, ouais. Puisqu'elle s'échappe tout le temps. Alors, les pendules vont bientôt être mises en route. On voit passer notre ami l'arbitre. Voilà. Là, Michael Adams très concentré, le calme avant la tempête, alors qu'un photographe se glisse sur l'image. Il s'agit de Grégory. Grégory, puisque c'est le photographe de la revue Europe Échec. Nous allons donc bientôt commencer. Très très chaud. Michael Adams, Judith Polgar, le score est de 1,5 partout. Le gagnant de cette partie sera qualifié et jouera contre Gary. Kasparov, non, contre Yevgeny Barayev. Yevgeny Barayev, Gary Kasparov, c'est la demi-finale contre le vainqueur du match Grichuk-Gurevich. Voilà, ça sera difficile. Judith Polgar, elle est un peu dans les cordes comparé à Michael Adams, qui est bien, bien concentré. Ça y est, c'est parti. Alors, nous avons Michael Adams qui joue au 4, comme d'habitude. Et oui, ça ne change pas, c'est sa spécialité. Judith Polgar va jouer ses 5, voilà, c'est fait. Une à la pine, sicilienne. Non, non, cavalier F3, il n'y a pas d'alapine ici. B6. Et B3, une spécialité anglaise. A noter que Judith Polgar a également employé ce genre de système quand elle conduit les pièces blanches. B3, l'idée, c'est de mettre le fou en B2, tout simplement. La meilleure formation pour les noirs contre ce fou B2, c'est de jouer D6 et E5. Donc là, normalement, le pion arrive directement de E7 en E5. Ici, c'est l'idée de B3. C'est que les noirs doivent perdre du temps s'ils veulent adopter cette formation. Alors, Judith Polgar a joué B6. Telle la réponse du berger à la bergère. Et oui, voilà, pour mettre son fou sur la case B7. Une ouverture rare à ce niveau, hein, parce qu'on l'a pas vu. Pour mettre le fou en B7, attaquer le pion E4. Michael Adams joue D2, D4. Il y va, ça attaque. On a cru que la sicilienne ne serait pas ouverte, mais elle a été ouverte. Fou B7 maintenant. Attaque le pion E4. Michael va sans doute le défendre avec fou D3. C'est le coup logique dans cette position. Peut-être qu'il peut jouer un coup anglais. Est-ce que Michael Adams est anglais? Le coup anglais serait plutôt cavalier D2. Un coup comme ça, un petit peu curieux. On sent que les noirs ne sont pas en danger déjà. Puisqu'elle peut jouer D5 sur fou D3 au cas D2 et ouvrir directement le centre. Ou en tout cas D4. Faire pression sur le centre. Alors ça c'est important comme variante, on va vous la montrer. D5, c'est l'idée de Judith Polgar, c'est ça Robert? Oui. Et sur D5 les blancs pourraient fermer avec E5, mais ouais, pas sûr. Le pion en B3... Le pion B3 est quand même assez affaiblissant. Donc Michael Adams doit faire un choix dans cette position. Il doit défendre son pion E4. Et je crois qu'il a choisi cavalier B5. Il ne le défend pas. Qu'est-ce que c'est que ce coup complètement inattendu, cavalier B5? Sacrifice de pion. Y a-t-il une explication? Alors peut-être que Michael Adams... Sacrifice de pion de Michael Adams. Michael Adams se serait peut-être énervé, puisque nous lui avons quand même dit en backstage, juste avant la partie, Michael, ta première partie nous a un peu fait chier. Et sur quoi il a dit, oui mais il y en a une deuxième. Donc voilà, peut-être que oui, il met surtout le feu. Que, en fait, prendre le pion a l'air très très risqué ici. À cause de fou F4, voilà. Fou prend pion E4 et risqué à cause de fou F4 qui menacera une intrusion. Qui menacera une fourchette. Roi contre tour. Une intrusion du cheval qui ferait un échec.
Donc il est difficile à parer. Restons sur cette position, elle est importante. Voilà, peut-être. Ouh là là, qu'est-ce que c'est que ce plan artistique? Ah oui. Voilà, Michael Adams contre Judith Polgar en image. Deux très beaux joueurs. Judith est en train de réfléchir pour rentrer bien dans la position. Là, il faut, là. Hein. Elle peut jouer à 6, hein. Elle peut jouer à 7 à 6, Judith Polgar. À 7 à 6, un coup à mentionner. Un coup à mentionner, mais Adams pourrait prendre directement la paire de fous en installant son cavalier sur A6, sur D6. Cavalier en D6. Et prendre le fou noir. Tout simplement. Prendre le fou de case noire, mais à ce moment-là, le pion en 4 serait en prise en fin de variante. Donc c'est un début surprenant de la part d'Adams, puisque d'habitude on le voit pas trop sacrifier des pions comme ça dès l'ouverture. Il est plutôt tranquille, il développe ses pièces et essaie de masser tranquillement l'adversaire. Oui. Et là, surprise, il sacrifie un pion dès l'ouverture. C'est pas dans son style. Apparemment, ça gêne Polgar, puisqu'elle réfléchit. C'est vraiment pas dans le style de Michael Adams de chercher un KO rapide. Normalement, il préfère des positions qui durent longtemps. Elle pourrait jouer D7, D6, Judith Polgar. Peut-être. D7, D6. C'est un coup à envisager. Mais maintenant que Adams a joué B3, il pourra suivre fou A3. Ah, le fou sur la case A3. Tout à fait. Pour mettre la pression sur les cases noires de Judith Polgar. Très très chaud. Déjà. Très très chaud déjà. C'est bien. Michael. C'est risqué ce que fait Adams. Hein. Michael est là pour le public quand même. Ouais. Il joue pour le public. C'est plutôt sympathique. Voilà, nous avons un Michael. Alors, là, Judith réfléchit. En tout cas, Adams lui a posé des problèmes dès le 5e ou 6e coup. A noter qu'hier, Judith a fait une miniature, si vous voulez revoir ça en différé, dans les matchs départage des poules qualificatives. Eh bien, Judith a battu Joël Lothier en 12 coups. Quand même. Pas mal. Belle performance. Oui, ce qui prouve qu'on peut gagner des parties d'échecs très rapidement. Enfin là, c'est du semi-rapide, donc ça arrive beaucoup moins souvent. Et après, cavalier B5. Judith est en train de réfléchir. Le bilan pendule est le suivant. Il reste... Michael Adams a réfléchi une minute et Judith en est entame sa 4e minute de réflexion. Une préparation de Michael Adams, peut-être. Oui, c'est possible. Oui, il a dû travailler ce sacrifice de pion parce qu'il ne va pas le jouer comme ça en 2 minutes à l'emporte-pièce. Donc, il a dû le travailler. Et Judith, non apparemment. Et non, Judith ne joue pas. Elle bloque Judith Polgar. Ah là là, c'est un très fort joueur ce Michael Adams. A noter que c'est quand même le favori Michael Adams avec Garry Kasparov. C'est le deuxième favori, on peut dire, après Kasparov. Ouais. En semi-rapide, il est simplement... A noter que Gourevitch a terminé devant lui au départage. Ah non, c'est Adams qui est devant. C'est Adams qui est devant, donc Adams jouera Barayev demain. Alors que Gourevitch, s'il se qualifie, jouera Kasparov. Adams jouera Barayev s'il gagne. Adams, évidemment, alors on nous a un peu dit que nous étions sexistes et machistes. Alors c'est pas du tout vrai. nous, ce qui nous intéresse, c'est la vérité aux échecs. C'est-à-dire qu'Adams gagne. C'est-à-dire que Adams, qui a priori est le plus fort, va gagner. Donc nous pouvons jeter un œil à Mikhail Gourevitch, voilà Grichuk ici, Gourevitch est dodo, et Alexander Grichuk, très talentueux, il a les nerfs solides, mais après avoir perdu la première, va-t-il réussir à gagner la deuxième? Avec les noirs en plus. Avec les noirs contre Gourevitch qui joue une anglaise. Gourevitch, on le voit, il est là, le fameux personnage de bande dessinée. Polgar a joué. Ah, Polgar a joué cavalier à 6. Cavalier sur la case A6. Qu'est-ce que c'est? Prévention. Prévention. C'est un coup préventif. Prévention, mais elle laisse définitivement Adams prendre son fou de case noire. C'est possible. Michael Adams peut jouer E5 dans cette position aussi. E5 qui a l'air assez fort. A l'air de faire mal, ouais. Puisque on prendra clairement les cases noires. Oh là là, il semblerait que Judith soit un peu dans la mélasse. Fou F4 aussi, elle a l'air intéressant. Fou C1 sur la case F4, il faut montrer la position. Il faut montrer la position, puisque là, eh bien, c'est très très chaud. Oui, fou F4, c'est une autre possibilité pour le Michael Adams. Puisque si Polgar prend le pion E4, le cavalier A6 sera sans défense. Je ne sais pas s'il y a une combinaison, mais en tout cas, il peut y avoir des thèmes. Il peut y avoir des thèmes tactiques gênants, très gênants. Mais à noter que le coup quand même qu'on attend, c'est le coup E4-5, qui a l'air vraiment pas mal, puisqu'après on menace de venir en D6. Le fou peut venir en A3 avant, et donc ainsi on installera un cavalier hyper fort.
Donc Michael Adams a déjà pris l'avantage, on peut le dire, avec son attaque éclair. Avantage également à la pendule, puisqu'il ne réfléchit que 2 minutes, Michael Adams. Mais là, c'est lui de jouer et il réfléchit. Là, il est surpris par le coup cavalier à 6 de Judith. On comprend pas très bien l'idée de cavalier à 6, si ce n'est protégé à 4 C7. Elle a eu peur de prendre le pion E4, et a noté quand même qu'elle aurait pu essayer de le prendre. Elle aurait pu essayer, mais c'était chaud. Donc ici, ben là, comme on le voit, c'est Michael Adams en pleine réflexion, et il va peut-être jouer E4-5. Oui, E5 ou... Pourquoi pas fou à 3 directement. Si Adams décide d'échanger directement le fou de case noire, ça peut aussi faire très mal. Qu'est-ce que tu en penses, Stéphane? Eh bien, effectivement, non, mais moi, le plan avec E5 et fou à 3 me paraît assez fort. C'est vrai. Judith Polgar, elle a l'air un petit peu... contrariée. Un petit peu contrariée, c'est vrai. Un petit peu abasourdie. C'est vrai que Michael Adams, normalement, c'est le joueur qui joue tranquillement, calmement, sur le long terme. Et là, hop, il a envoyé, tout le monde, il a je crois qu'il a joué fou à 3 ou fou B2. Fou un des B2 deux coups, serait sur... Il a dû jouer un coup de fou. Cavalier 1, C3. Cavalier 1, oui, défend tranquillement E4 et menace vraiment cavalier D6 échec maintenant. Alors pourquoi on dit cavalier 1 en C3, Elo? Bonne question, Stéphane. C'est parce que les deux cavaliers peuvent aller en C3. Le cavalier B5 et le cavalier B1. Alors, si on dit le cavalier B en C3, eh bien on ne sait pas duquel on parle. Donc on dit le cavalier 1. Sinon, ça aurait été l'autre cavalier, donc le cavalier 5 en C3. Voilà, cavalier 5 en C3. Voilà, tout à fait. Donc ici, il joue cavalier 1 C3. Et il menace cavalier D6. Donc là, on ne précise plus parce qu'il n'y en a plus qu'un qui peut y aller. Qui est D6, échec au roi, donc qui forcerait Judith à donner son fou. Michael Adams prendrait donc la paire de fous et obtiendrait une très belle position avec domination sur case noire. Et oui, on voit mal comment Judith peut empêcher maintenant cet échange. Si elle peut jouer D6, fatal. D6. Elle peut jouer D6. Ou Dame B8 peut-être. Essayer de contrôler cette case avec la dame et le fou. Dame B8 se heurterait peut-être à G3. Un coup typique de ce type de position. C'est vrai. Si. Oui, tout à fait. Dame B8, il y aurait sans doute le coup G2-G3. Thématique. Mais bon, on ne peut pas savoir. En tout cas, Michael Adams, par son dernier coup, laisse souffler un peu Judith Polgar. Mais il a pris l'avantage à la pendule. Ça y est, ce n'est plus coup pour coup. Maintenant, il y a avantage pour Michael Adams. Avantage au temps. Avantage de l'esprit. Michael Adams. Il reste 21 minutes à Adams contre 18 à Judith Polgar. Eh oui. Ça va pas être facile, hein. Ah, Judith, elle est en train de réfléchir, mais elle a pas l'air méchante, là, quand même. Elle a l'air un peu gentille. Ça cache quelque chose. Elle a pas l'air inspirée du tout, alors que Michael Adams, lui, n'a jamais l'air inspiré, mais on sent quand même là qu'il est à fond dans sa position. C'est un des joueurs les plus concentrés du circuit, Michael Adams. Oui, ça se voit. Il est vraiment très très fort. C'est vrai que si on compare son attitude à celle de Grichuk, il y a un fossé. Pourquoi? Et par contre, on n'a pas vu Grichuk se lever pendant sa première partie. Non, il a perdu d'ailleurs. Peut-être et que oui, quand c'est... il ne se lève pas, il perd. Alors que Judith a joué, elle a envoyé cavalier C5. C'était ça l'idée. Mais alors maintenant, question, que se passe-t-il sur fou F4? Eh bien, je crois que c'est la cagade. Fou F4, t'as l'air de faire mal. C'est un coup qui fait mal. Ouh là là. Ah oui, qu'est-ce qu'elle a vu sur fou F4? C'est la question. Qu'est-ce qui se passe? Fou F4 qui menacera cavalier C7 échec au roi. Oui, mais on peut jouer tour C8 tout simplement. Tour C8, oui. Le pion A7 est en prise, Stéphane. Ah oui, c'est vrai. Ça, c'est problématique. Donc, qu'est-ce qu'elle peut jouer sur fou F4? On va simuler ce coup. Simulation, fou F4. Ce n'est pas joué, mais c'est possible. Menace, cavalier C7. Alors, le coup proposé par l'ordinateur, c'est le coup dame F6. C'est chaud. On peut dire que c'est pour le moins curieux. Ouais, on n'y croit pas trop, dame F6. Ouais, hein. C'est curieux quand même. Ça va déroquer le roi, c'est sûr. Avec complications. Donc voilà la position, Judith Polgar vient de jouer cavalier C5, et là on se demande pourquoi Michael Adams n'a pas encore joué fou F4. Et bien la réponse est simple, il est en train d'évaluer toutes les possibilités qui peuvent aboutir après fou F4. Mais ouais, fou F4 ça rend le coup B3 inopérant. Oui, mais c'est pas très important, hein, puisque les cases D6 et 7 sont... Tout à fait, sont très très importantes, c'est les cases majeures, c'est tout ce qui fait l'essence de cette position.
C'est ce qui fait que les blancs peuvent prendre l'avantage, peuvent gagner cette partie. Et donc, c'est très important pour le titre de champion du monde. Qui peut revenir. Michael Adams qui a joué. Qu'a-t-il joué? Et fou F4, et voilà, et voilà. Prends-toi ça. Alors à noter que là, il peut y avoir un thème de maths en un coup. Si les Noirs jouent cavalier en E7, voilà. Cavalier G8 en E7, il y aurait pas cavalier mal. D6. Tout à fait. On échec verrait que le roi est enfermé. Le cavalier sauterait sur la case D6. Floup. Échec. Et mat. Échec et mat. Aux yeux de Marilou. Eh oui. Aux yeux de Marilou. Fou F4. Eh oui. Joué par Michael Adams. Chanson connue de du regretté Gainsbourg. 10 ans déjà. Fou F4. La menace, c'est la fourchette. Cavalier B5 en C7. Elle n'aurait pas vu échec. Ça, j'ai dit. Mais voilà. On vous remonte cette menace qui est B5, échec au roi. Elle va prendre le... Dame F6, elle va jouer aussi dans son style. Ouais, de toute façon, elle n'a pas le choix, elle est obligée... Je crois qu'elle a joué tour C8. Alors, tour C8... Tour C8, donne c'est le pion. Vraiment phénoménal. C'est vraiment phénoménal. Que se passe-t-il sur cavalier prend pion, tout simplement? C'est la question qu'on peut se poser. Peut-être Dame F6 sur cavalier prend pion, mais après, il y aura... Dame D2, tout simplement. Alors, cavalier prend pion A7, nous allons rester sur cette... position virtuelle qui est pion A7 attaque la tour, c'est une variante, ça n'a pas été joué, que ce soit fourvoyé tout de suite. Dame F6 et là la pointe c'est simplement cavalier prend tour C8 et là on ne comprend pas. Non, ce n'est pas ça le coup. Qu'est-ce que c'est le coup alors dans cette position? Dame D2, il y a cavalier prend E4 Robert. Ah ouais. Dame D2 c'est ce coup. Dame F3 alors. Et la dame attaquerait la tour 1. Ah, c'est pas clair. Et ce n'est pas si clair, peut-être fou des deux proposé par notre robot. Mais ici, c'est tout sauf évident, et le cavalier reviendra après en B5. Possibilité, en tout cas, on ne va pas vous embrouiller plus longtemps. Tour C8 vient d'être joué par Judith Polgar. Michael Adams réfléchit, et là donc c'est très très chaud. Un enjeu pour cette position, Stéphane. Il semblerait que les blancs soient quand même clairement mieux, donc je dirais avantage Adams. Alors, un petit coup d'œil rapidement sur Gourevitch qui va boire à la bouteille. Voilà, qui boit de l'eau. Là, nous avons Gritchouk, le russe, contre Gourevitch, l'ex-russe. Le voilà, Mikhail Gourevitch, toujours extrêmement concentré. Il est très peu nerveux aussi, Gourevitch. C'est donc le deuxième quart de finale. Et c'est très important, puisque Mikhail Gourevitch est le champion du monde de partie rapide en titre. Il est ici. Favori face à Gritchouk, oui, parce qu'il a gagné la première partie. Il avait battu en finale Karpov, si je me rappelle bien. Il avait battu Anatoly Karpov, et donc il a déclaré dans une interview qu'il a donnée à Diagonal, « J'ai battu Karpov, je vais battre Kasparov à Cannes, et je battrai Kramnik pour la prochaine Coupe du Monde. » Il affiche ses ambitions. Il a dit ça. Il est capable. Effectivement, il l'a dit un peu en rigolant, mais enfin, quand on le voit jouer, ça ne nous fait plus rien. Mais ça ne fait plus rire du tout. En tout cas, ça ne fait pas rire Kasparov. Qui est la cible directe de ses allégations de Mikhail Gourevitch, le belge du tournoi. Le belge. Alors, nous. Les belges d'origine russe, quand même. Hein. Faut rappeler ça. Quand même. Est-ce qu'Adams va tenter de prendre ce pion? Va essayer de prendre ce pion? Ou alors il va la jouer plus soft en essayant de défendre tout simplement son fou F4 et le cavalier C3 par un coup comme Dame D2 maintenant? Un coup comme Dame D2, c'est possible aussi. De toute façon, Michael Adams a l'avantage. Mais je verrai plus. Cavalier prend pion A7. Allez, Michael. Michael envoie cavalier prend A7. Voilà, Michael, on a beau... je pense que si la salle de théâtre s'écroulait autour de lui, eh bien, il ne s'en rendrait pas compte. Je vois bien l'écran géant lui tomber dessus. Eh bien, il ne le remarquerait même pas. Il est concentré, Adams. Tout à fait. Judith aussi, hein, quand même. Mais... peut-être c'est moins efficace. Voilà Michael qui réfléchit. On voit les petits drapeaux sur le côté, le drapeau anglais pour Michael et le drapeau hongrois pour Judith. A noter que tous les autres tops qui sont pas présents ici sont présents à Monaco. Effectivement, on l'a signalé sur le chat. Ils sont tous partis à Monaco, puisqu'ils ont des invitations qui datent d'il y a plus d'un an. Donc rien à faire, comme la Coupe du Monde a été décidée d'être organisée à Cannes il y a 8 mois, eh bien tout le monde avait déjà signé pour Monaco.
A noter que pendant la journée de repos, beaucoup de joueurs de Monaco sont venus ici regarder les parties de cadre. On a notamment vu Alexei Chirov. Oui. Effectivement. Alors que là, plan sur les pièces, plan artistique, avec Michael Adams. En fond. Qui est là. Judith Polgar qui est là aussi. Et là, Michael va jouer. Il va jouer Dame D4, j'ai l'impression, si je n'ai pas rêvé. Ouais, Dame D4. Dame D4, centrale. Central coup. Un coup tranquille. Un coup tranquille et il va peut-être préparer le grand roc, tout simplement. C'est possible. Peut-être le grand roc. Ou peut-être simplement le contrôle de la case D6. Oui, après tout, le pion A7, il est pas pressé de le prendre. Il va attendre que le joue A6. Oui, oui, puis il va fixer Polgar sur les cases noires et il va essayer d'empêcher le roc. Le rock de Polgar. Donc il joue positionnel, Adams, plutôt que d'essayer de prendre l'avantage matériel. Et il nous a surpris sur les cases. Il nous a surpris avec ses 5e et 6e coups. Et là, ça y est, il redevient le joueur positionnel qu'on connaît. Et ça va être chaud pour Polgar maintenant. Ça va être chaud pour Polgar. Il va falloir qu'elle se décide entre le coup probablement F7, F6. A7 A6 et F7 F6 peut-être. Ouais, F7 F6 c'est très affaiblissant, Stéphane. Mais ouais, mais c'est proposé. On n'aime pas trop jouer ce genre de coup. Ouais, c'est vrai, c'est un coup qui paraît très affaiblissant, mais qui reprend un peu le contrôle des cases noires qui menace E5. Oui, ça menace la fourchette, c'est le coup proposé par l'ordinateur, mais F6 on n'y croit pas un instant puisque il pourrait s'en suivre tout simplement cavalier D6 échec et prendre le fameux fou de cases noires de Judith Polgar. Et oui, on voit qu'elle bouge ses jambes. Ouais, on voit le pied de Judith ici. Oui, elle est nerveuse. Très joli pied. Elle est nerveuse et lui, Adams, est tranquille. Alors, qu'est-ce qu'elle va nous préparer ici? À 7 à 6, ça a l'air vraiment de perdre un temps dans cette position. Hein. Il faudrait qu'elle essaie de développer ses pièces. Et d'un peu d'enflammer tout ça. On voit pas trop comment, parce que si elle joue le fou F8 sur la case 7, si on peut voir la position. Elle a joué Stéphane. Elle a joué cavalier F6. Elle a joué cavalier en F6. Elle essaie de développer ses pièces, mais. Pression sur E4, remarque. Oui, ça augmente la pression sur E4, puisque maintenant le cavalier F6, le cavalier C5 et le fou B7 tapent sur E4. Et oui, pression sur E4, elle développe ses pièces. Alors maintenant, Adams a plusieurs possibilités. Soit faire échec et sacrifier le pion, soit jouer tout simplement E5. Oui, la possibilité effectivement de jouer E4-5. Mais E4-5, peut-être il a envie de contrôler la case D6 avec son fou, Michael Adams. Oui, tout à fait. Alors que j'enlève les... Que va jouer flèches. Michael ? Peut-être F3, mais... Ou fou D3 serait pas mal. Protéger le pion E4 qui est attaqué. Un bon coup de Judith Polgar. Un coup surprenant, mais qui a l'air pas mal. Un coup de développement, ça peut pas être un mauvais coup. Tout à fait. On sort ses pièces. Alors, Keloua est de retour. Et oui, c'est le grand retour. C'est le grand retour. Michael Adams, ici, peut jouer cavalier prend pion A7. On ne comprend pas trop le dernier coup de Judith Polgar, qui est cavalier F6. Un coup de développement. Pourquoi est-ce qu'elle a joué ça? Alors, est-ce qu'on a eu le temps d'expliquer ce qui se passait sur cavalier prend A7? On ne comprend pas. Cavalier B5 prend pion A7. Qu'est-ce qui se passe? Ça attaque la tour C8. La tour doit bouger et le cavalier revient au coup d'après. Judith Polgar n'ayant pas créé de menace avec son dernier coup cavalier F6. Eh oui, tout à fait. C'est sûr. Ici, ce n'est pas évident pour Judith. Cavalier prend pion A7, a l'air d'être un coup très fort. Voilà, cette ouverture de Adams. Ah, il va le jouer, Michael Adams, d'autant plus qu'il est bien autant, hein. Il est bien autant en plus. Ah oui, il est bien autant, oui, parce qu'il est... il reste enfin, 14 minutes. En fait, ils sont à égalité autant. Ils sont à égalité, oui. Mais il a une bonne position. Ouais. Alors, ça va beaucoup moins vite. Beaucoup moins vite qu'avant. Oh là là, alors peut-être qu'on n'aura pas de match de départage en fait, hein, parce que si Michael gagne cette partie et que Gourevitch ne perd pas, eh bien Stéphane, je crois on n'aura pas de match de départage. Nous n'aurons pas de match de départage.
Mais Michael n'a pas encore gagné la partie. Et Gourevitch n'a pas encore évité la perte. C'est très très chaud. Très très chaud ce qui est en train de se passer. Judith Polgar contre Michael Adams. Deux joueurs pour une qualification en demi-finale de la Coupe du Monde d'échecs. Si Michael Adams gagne et qu'il bat Barayev demain, il jouera Kasparov en finale sans doute. Et il le battra, ce qui fera de lui le champion du monde de partie rapide. Ça veut dire le meilleur joueur de la planète. On voit pas qu'il peut battre Kasparov quand même. F2, F3 a été joué. Un coup très solide qui protège tout simplement le pion en 4. Et oui, un coup tranquille d'Adams. Voilà, si on... Il a joué F2, F3. Sur la position. C'est incroyable, incroyable. Vraiment, mais Michael Adams lui dit... Écoute, ton pion A7, je le prends quand je veux. Je le prends quand je veux et je me développe, je fais vraiment ce que je veux ici. Je fais ce que je veux avec mes pièces. Tu n'auras jamais de contre-jeu, Judith. F3, c'est un coup qui explose le cavalier F6. Maintenant, il ne peut plus bouger ce cavalier. Qui tue le fou B7 puisqu'il devient mal placé. Et le cavalier C5 n'a plus son utilité. Donc en fait, avec un simple coup de pion, il a neutralisé 3 pièces de Judith Polgar. Neutralise Polgar avec une aisance... Ouais, incroyable. Incroyable. Un pion d'Adams, ça vaut 3 pièces de Judith Polgar. Donc évidemment, il a un énorme avantage matériel. Peut-être qu'il réfléchit mieux donc. C'est possible aussi, mais enfin, on ne peut pas en être sûr tant que la partie n'est pas finie. Alors là, on peut se demander si Judith n'a pas intérêt à jouer un coup comme D5. Oui, effectivement. Alors là, Stéphane, tu as tout à fait raison, puisque D5, c'est un coup positionnel. Ça lutte contre ce pion F3 directement. Ce pion F3 qui tuait toutes les pièces ennemies, eh bien, en jouant D5, on obtient des chances de refaire vivre les pièces. Mais on perd le pion A7. Le problème, c'est que ça perd du matériel. De toute manière, A7 a l'air perdu dans cette partie. Il faut se développer avec les noirs, sinon on peut jamais sortir. Donc D5 a l'air très très intéressant, oui. Mais est-ce qu'Adams pourra tout simplement jouer grand roque et continuer? C'est vrai que Michael, dans cette position, peut simplement se développer en jouant grand roque. Il a une énorme avance de développement. Grand roque, c'est pas mal. Il faut en profiter. Tout à fait. C'est le truc. Belle position de Michael Adams quand même. Il est en train vraiment de dominer cette partie. Et à noter que dans la partie Grishuk-Gourevitch, eh bien Gourevitch vise tout simplement Grishuk. Il est mieux. On voit les joueurs ici. Gourevitch a pris un net avantage contre Grishuk. Il semblerait que les nerfs du jeune russe ne puisse pas le sauver contre l'expérience du belge Mikhail Gourevitch, champion du monde sortant. On l'a suffisamment dit, mais quand même, c'est quand même ce pion A7 que Adams ne prend jamais. Le c'est quand même curieux. Pion A7, cavalier A6. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ce coup? Qu'est-ce qu'elle a inventé, Judith Polgar? Elle vient de jouer, tenez-vous bien, cavalier C5 sur la case A6. Et ça, c'est vraiment très difficile à comprendre. Elle veut sortir son fou F8 pour le mettre en C5. Oui, mais c'est une capitulation complète, puisque bouger 3 fois la même pièce dans l'ouverture, ça n'existe pas. Et surtout en A6. Surtout en A6. Que se passe-t-il sur cavalier D6 échec, tout simplement? Adams va prendre le fou de Polgar. Il laisse le pion A7. Le pion A7, je pense qu'il n'en a pas besoin. Il va simplement l'empêcher de roquer. Peut-être en jouant cavalier D6 échec, fou D6, qui est pas mal non plus. Cavalier D6, c'est loin. Cavalier D6, c'est vrai que c'est bien. Fou prend et. C'est des Polgar ne bouge plus. C'est horrible, c'est horrible. Alors là. Polgar ne bouge plus. On en est au 10e coup et Judith Polgar est complètement atomisée. C'est une boucherie cette partie, effectivement, qui est D6 Robert, comme tu l'as dit. Ça a l'air plutôt pas mal, plutôt fort. Après, fou prend, on reprend du fou et là, on contrôle toutes les cases noires. C'est vraiment une très très belle position pour Judith Polgar. Donc Michael Adams est embarrassé. Oui, une belle position pour Michael Adams. Il est embarrassé ici. Il a l'embarras du choix. Il ne sait plus comment gagner. Ouais. Oui. Ça c'est problématique. Il peut prendre A7 aussi. Il peut prendre A7, mais ça donnerait fou C5. Oui, il ne faut pas laisser. De toute façon, Michael Adams n'a jamais voulu prendre ce pion A7. Soit cavalier D6, soit fou D6, deux possibilités. Cavalier D6, fou D6. Qu'est-ce qu'il a fait? Cavalier D6. Le cavalier en D6, c'est oui. Normal. Un tour de vis. Il faut absolument prendre ce cavalier. Ah, là, c'est obligé, puisque il y a une fourchette. Il a repris du fou. Une fork. Fou prend D6.
Fou prend fou, D6. Alors, un plan pour Judith Polgar Le serait cage. D'installer un cavalier en E7, par exemple le cavalier A6 par cavalier B8, cavalier C6, cavalier E7. C'est trop long. Oui, c'est trop long, mais que faire? Oui, mais c'est obligé, Stéphane, c'est obligé. Cavalier B8. Donc, alors, je n'y arrive pas, décidément. Voilà, cavalier B8, puis cavalier C6 qui gagne un temps en attaquant la dame, puis cavalier E7, puis petit roc. Ça a l'air long, mais il faut bien trouver une solution, Stéphane, dans cette position. Et à noter qu'après le plan, cavalier B8 a été joué. Cavalier B8, elle l'a joué. Après cavalier E7, petit roc, Judith n'est pas sortie, hein, puisqu'elle ne bougera toujours pas. Bah, ce fou D6 est vraiment extrêmement fort. Il est vraiment fabuleux. Ça, c'est pas facile pour Judith Polgar. Elle risque tout simplement de se faire visser par Michael Adams, d'autant plus qu'elle est mal à la pendule. Michael Adams, il lui reste 13 minutes, Judith, elle lui reste 10 minutes. Et donc, tout ça n'est pas de très très bon augure pour la Hongroise, qui se fait copieusement massacrer par Michael Adams. Là, on voit Judith. Elle n'a pas l'air en forme, elle a l'air plutôt en mauvais état. Elle contrôle pas du tout les cases noires, là. À noter que toutes les pièces contrôlent que des cases blanches. Le fou B7 contrôle des cases blanches, le cavalier B8 aussi, le cavalier F6 aussi. Ah oui, tout à fait, Stéphane. Donc il n'y a aucune pièce qui contrôle les cases noires à part la dame noire, c'est la seule pièce. Qui ne peut pas bouger d'ailleurs. Ouais, elle ne peut pas bouger, elle est complètement fermée. Donc toutes les pièces des noirs contrôlent les cases blanches, et donc ça fait qu'ils contrôlent la moitié des cases. Et oui. C'est pas suffisant parce que Michael Adams, lui, les contrôle toutes. Donc il est deux fois plus fort. 64 contre 32. Ah oui. Ok, B8, Michael Adams réfléchit. Maintenant il faut trouver. D'un côté c'est pas facile pour passer. Peut-être il va jouer G4, Michael Adams. Je pense qu'il faut plutôt mettre le roi blanc sécurité avant de se lancer dans une attaque. Grand roc. Grand roc par exemple. Grand roc, c'est possible, peut-être G4. On me signale non que Michael Adams a joué. Il a joué dame D4 en D2. Oui, prophylaxie, hein. Donc il se prémunit contre le coup cavalier C6, que voilà. Judith va sûrement jouer. Oui, Judith va jouer cavalier C6 quand même. C'est loin, il y a dame G5. Ah, c'est ça l'idée de Michael Adams. Il est en train de passer en G5. C'est un cauchemar cette position. La dame en G5 exerce une pression sur l'option G7. S'il provoque G6... C'est fini. C'est fini. C'est fini. Judith Polgar ne pourra plus jamais contrôler les cases noires. Donc Judith Polgar doit empêcher dame G5. Hein. Oui, peut-être en jouant H6. Est-ce que dame G5 est vraiment une menace, puisque le cavalier C3 est en l'air pour l'instant? H6 a l'air normal. H6 a l'air normal. A noter que dame G5 n'est pas forcément une menace tout à fait. Oui, mais ça en sera une après cavalier C6, puisque la tour C8 n'attaquera voilà, plus cavalier C3. C'est le problème, elle ne peut pas jouer cavalier C3, j'ai dit de Polgar, cavalier C6, sinon il y a dame G5. La punition anglaise. La punition anglaise, et ça va être très très dur. Ouais, c'est douloureux. Surtout contre Adams. C'est clair. C'est pas le joueur le plus facile, Michael Adams. Elle a donné la paire de fous et... Après 13 coups, il semblerait que Judith Polgar soit tout simplement perdante. Mais perdante, c'est pas évident, parce qu'il faut arriver à percer quand même. On peut dire techniquement perdante, en tout cas. Voilà, c'est ça. Ça ne perd pas de manière mathématique et forcée, mais sur le long terme. Très très peu de chance pour Judith Polgar. Très peu de chance. Elle a joué le coup A7-A6, Judith. A7-A6. Oh, curieux comme coup. Elle ne sait plus quoi faire. Ouais, elle veut essayer. Voilà mon analyse. Et voilà. Michael Adams, satisfait de sa position, vous le voyez ici. Alors, qu'est-ce qu'il envisage? Eh bien, il y a beaucoup de coups forts. Dame G5, alors. Ah ben non, c'est pas possible. Dame G5 n'est pas possible. En revanche, peut-être tour D1. Tour A1 en D1. Grand roc, roi B2. Et ensuite. Grand roc, c'est pas mal. On va montrer cette position pour montrer les possibilités de Michael Adams. Ah, elle veut jouer B5 et dame B6, peut-être, pour sortir sa dame. Ouais, alors, B5 et dame B6, bof. Grand roc, roi B2, a l'air de... Moi, j'aimais bien le plan mentionné par Stéphane, G4, G5. Je trouvais ça assez intéressant. Ouais. Pour commencer, puisque le roi de Michael Adams est totalement en sécurité au centre de l'échiquier, pourquoi est-ce qu'il n'irait pas commencer tout de suite une attaque à la baïonnette en cédant avec son fou D6? Et cette partie, Stéphane, me fait rappeler énormément... la partie qu'il avait jouée contre Joël Lothier à Bordeaux en finale du Grand Prix de Bordeaux 2000, quand il avait tout simplement massacré Joël Lothier en finale avec un fou de case noire surefficace, comme ici. Joël Lothier n'avait rien pu faire. Alors que, n'oublions pas qu'ils sont 4 sur scène, et là il y a Mihai Gurevich, le Belge. Le Belge qui tue
très très efficace toujours, Mihajlovic. Les pièces, la position, on va vous commenter un petit peu leur position. Avantage Gourevitch, mais il semblerait que Grichuk commence à trouver des contre-chances. Oui, et au niveau de la pendule, eh bien, c'est totalement équilibré. Avantage quand même pour Gourevitch, qui la dernière fois avait gagné puisqu'il était beaucoup mieux au temps. Donc le jeune Grichuk qui n'a que... il a 17 ans. 17 ans, ouais. 17 ans, qui est très très impressionnant. Demi-finaliste des championnats du monde de partie lente, éliminé uniquement par Shirov. Eh bien... il est en train de souffrir. Ah, il va jouer Adams. Michael Adams. Oh, il a joué un coup à 4. Non, à 4. Ouais, oh là là, il ne laisse aucune chance à Paul Gara. À 4. Empêche B5. Empêche la dame noire de se développer, tout simplement. Il est insupportable, ouais, Michael Adams. Non, mais il est vraiment terrible. Il joue des petits coups tranquilles. Paul Gara va être en zugzang au bout de 15 coups. C'est-à-dire que voilà, le zugzang, c'est quand tous les coups qu'on a à jouer sont mauvais. Et eh bien ici, on se demande ce que va jouer Judith Polgar. Elle a plus beaucoup de coups. A noter quand même, Robert, un avantage dans ce genre de position pour les noirs, c'est qu'il y a tellement peu de coups qu'on n'a pas trop de problèmes pour choisir. Tout à fait. Et on peut les jouer vite. Et on peut les jouer assez vite, donc récupérer un peu. Alors on peut proposer H6 pour Polgar. Mais après H6, si Adams joue un coup quelconque, oui, on voit mal le prochain coup de Polgar, tout simplement. C'est clair. Alors, on va bien vous expliquer ça avec l'échiquier. Voilà, Judith Polgar n'a plus de coups à jouer. On voit que sur KSC6, il y a éventuellement Dame G5. Elle ne peut pas roquer, puisque le fou contrôle la case F8, le fou D6 contrôle la case F8, ce qui interdit donc le roque. Elle ne peut pas bouger ce cavalier F6, parce que le mettre en H5, ça n'a tout simplement pas de sens. Le fou B7 non plus, le quai B8, on a dit qu'elle ne pouvait pas, la tour C8 non plus, la tour H8 non plus. Bref, il va falloir jouer un coup de pion, mais sur quoi Mathieu Ladame pourrait jouer un coup de roi, ou un coup de n'importe quelle pièce. Et ça serait catastrophique, puisqu'elle ne sait plus du tout, mais alors plus du tout, quoi faire. Cavalier G8. Elle vient de produire un coup. Pas mal. Cavalier G8. Voilà, vous voyez l'état du drame. Cavalier G8. C'est vrai que... Bon, cavalier G8, elle veut jouer x8. Alors, ce qu'on dit généralement... Elle veut jouer cavalier E7 pour roquer. Mais x8 laissant toutes les pièces sur la 8ème. Cavalier E7 pour roquer. Pour roquer. Ou alors peut-être, Stéphane, qu'elle se prépare pour faciliter le travail de l'arbitre. C'est-à-dire qu'elle remet les pièces sur la pièce de départ pour qu'à la fin, justement, ce soit plus simple de remettre la position de départ. Il faut passer la tour C8 en A8 et loin. Ce qui n'est pas évident. Ce qui n'est pas si facile. Donc ici, net avantage pour Michael Adams, parce qu'il va continuer à sortir ses pièces. Fou C4 est pressenti. Bon, pour l'instant, il n'y a pas d'avantage matériel quand même. Ça, c'est la... on peut quand même le signaler. Donc... c'est pas évident que Judith Polgar... Oui, non, mais c'est pas évident d'aller chercher les noirs quand même dans ce type de position. Parce qu'il faut quand même avancer les pions à un moment donné pour créer des ruptures. Stéphane, imaginons que ce soit Kasparov qui ait les blancs. Est-ce qu'on aurait un seul doute sur le résultat final de la partie? Ouais, non, c'est sûr que... Moi, je vois bien Adams jouer H2, H4. H2, H4. Tout simplement. Pourquoi pas? Voilà, on va regarder l'échiquier, là. Peut-être qu'il va jouer H2, H4, Michael Adams, pour limiter les possibilités de la dame de Judith Polgar. Et non, il a joué fou C4. Fou C4, ouais. Fou C4, qui est un bon coup aussi. Donc il se développe. Il va préparer F4, F5, hein, je crois, Michael Adams. Ouais, oui, il faut bien qu'il prépare quelque chose, quand même. C'est ça le problème, c'est qu'il faut quand même aller chercher les noirs. Ouais, mais bon, je pense qu'il va y arriver. Michael Adams, il va roquer. Il aura beaucoup de temps de développement d'avance. Ça y est, ça a été fait. Cavalier 7 et petit rock. Alors là, Judith Polgar peut roquer maintenant, mais elle s'exposerait à une attaque mortelle. Mortelle et quasiment impossible à parer. Une avancée du bélier. Le bélier, c'est le pion F3. Le voilà, le pion F3 que vous voyez ici en rouge, qui menacerait d'avancer. Donc Judith Polgar est très très ennuyée dans cette position, puisque elle ne peut plus bouger. Michael Adams a joué. Non, Judith Polgar a joué, elle a roqué. Petit rock, tour AD1, tout simplement. Tour AD1, ouais, non mais... Oh là là. C'est vraiment pas joli, la menace directe. C'est fou D6 prend KB8, qui gagne le pion D7. Non, ce serait pas bon, on va pas donner ce fou. Enfin, quand même, on envahirait la 7ème rangée avec un gain facile. Bon, c'est une menace comme une autre, mais si on dit qu'il faut pas prendre le cavalier, eh bien, ça veut dire vraiment que la position des noirs est désespérée. Désespérée, on voit même pas... On voit aucun plan pour Polgar. Rappelons quand même que Judith Polgar est la reine de l'échappe. Ça veut dire qu'elle peut s'échapper de beaucoup de situations. C'est vrai qu'hier, on l'a vu dans les matchs de départage en blitz, qui sont donc toujours disponibles à la demande. Eh bien, elle a joué cavalier C6.
de situation quasi désespérée. Et là, elle va peut-être pouvoir nous le refaire. Qui est C6, donc elle se prémunit contre la menace fou prend cavalier. Ouais. Elle donne le pion D7 quand même. Hein. Le pion D7 n'y est plus, on peut prendre en E7 et prendre en D7 après. Ouais, va bien falloir qu'il se décide, Michael Adams, de... F4, F4. Je verrais bien Michael Adams pousser son pion F. Voilà. Le pion F4, F5, avec un duo de fous braqué vers le roi. Et puis les tours qui passent. F4, c'est un très bon coup que Michael Adams va sans doute jouer. Roi H1. Il a joué roi H1, ouais, non, vraiment. Tranquille. Il prend son temps. Il dit clairement à Judith Polgar, tu bouges pas. Eh bien voilà, tu es ligoté, tu ne peux plus bouger. Tour 8, elle a joué Judith. Ouais, pour libérer son cavalier. Bon, c'est peut-être l'heure. Hein. Elle joue plus vite, Judith, et il lui reste 5 minutes. Il reste 6 minutes à Michael Adams. 6 minutes, c'est pas beaucoup. Ça veut dire qu'il peut se tromper. Il faut pas qu'il traîne trop, Michael. Sinon. 6 minutes contre 5 minutes. Ouais, à peu près pareil au temps, par contre. Ouais, ouais, tout à fait. Même si elle est ligotée, mais bon, il faut quand même aller chercher les noirs. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, Stéphane, le fait d'être ligoté nous permet de jouer plus vite, hein, puisqu'on a beaucoup moins de choix. Voilà. Oui. Voilà, Michael Adams qui joue. Oula. Oh, ben non, mais c'est pas très joli ce coup. Je crois qu'il a joué fou D3. Fou D3. Il s'y perd, là, Michael. Il s'y perd. Le dernier coup de Michael Adams, on vous le remontre au ralenti. Oui, il avait peut-être qui vient sur la case D3. Peut-être peur de cavalier A5. Oui. Bon. Mais alors, qu'est-ce qu'il veut faire? Bah, il veut jouer F4, F5 toujours, a priori, quand même. Mais c'est vraiment, on n'en est pas sûr. Normal, là. Fou D3, c'est curieux, quand même. C'est curieux qu'il attende comme ça, Michael Adams. C'est un coup qu'on n'aime pas, fou C4, D3. Enfin oui, mais on voit pas trop de coups pour Polgar là. Hein. On voit toujours pas beaucoup de coups pour Polgar. Ouais, mais Lana, tant qu'elle a des coups, ça va quoi. Ouais. Tant qu'elle a des coups. Tant qu'elle a des coups, ça va. Une remarque, Stéphane, qui n'engage que toi. Parce que il suffit pas d'avoir des coups pour pouvoir s'en sortir. Non, mais encore une fois, faut aller chercher les noirs, c'est pas si facile. Non, moi je vois pas la. Je vois bien une position. La position se terminer sur une partie nulle, moi. Alors, je veux bien prendre le pari. Stéphane. Même si les noirs sont ligotés, les blancs sont quand même à distance. Il n'y a pas de véritable rupture. Je pense que la seule chose qui pourrait sauver Judith Polgar, c'est une faute de Michael Adams sans I-note et une arnaque tactique. À noter qu'elle a arnaqué beaucoup de parties, Judith Polgar. Donc, s'il y a quelque chose à voir, elle va le voir. Maintenant, effectivement, il faut que Michael Adams se trompe. C'est quand même la chose. Numéro 1. Cavalier G6. Alors elle a joué cavalier G6. Le cavalier sur la case G6. Très bien. Michael... F4 a été joué. F4. Ça y est, il envoie Michael Adams. Il envoie E5. E5. Ça y est, ça joue libéré. Vite. Mais elle donne encore la case D5 après F5. Après F5, F6 hein. Peut-être. F5, c'est la case F4 qui est perdue. F5, F6. Pourquoi pas. Eh oui. F5. F5, elle va jouer cavalier F4 pour essayer de se libérer. Mais c'est elle... F5, c'est... F5, cavalier D5, mais c'est vraiment... C'est de pire en pire. Ça va mal pour Judith Polgar, ça va très très mal. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Il n'a pas joué encore Michael Adams, il réfléchit dans cette position. Pas si facile. Est-ce qu'il va prendre en E5 ou est-ce qu'il va jouer F5? C'est la question. Il a joué F5. Il a joué F5. Normal. Judith Polgar fait cavalier F4. Normal aussi. Le seul coup qui peut lui permettre de se prémunir contre F6. Alors que l'ordinateur annonce égal. L'ordinateur annonce égal. Incroyable, incroyable. Bah oui, c'est pas si simple. Peut-être une faute d'évaluation de l'ordinateur. Je ne sais pas. G3 peut être joué par Michael Adams, mais ça révélerait le fou B7. Il semblerait que Michael ait joué légèrement imprécis. Légèrement imprécis. Non, mais c'est pas si facile. Enfin, il est quand même beaucoup mieux encore. Pas si facile à jouer. Pas facile à jouer, mais peut-être qu'il y allait un peu léger là, ouais, en effet. Il a joué cavalier E2, il veut échanger ce cavalier. La seule pièce active des noirs, c'est normal. Polgar va prendre soit le cavalier E2, soit le fou en D3. Et peut-être dame F6 est possible également. Essayer de déloger ce fou D6. On a l'impression que les noirs se déplient là. Oui, oui et non. Se déplie, le fou D6 bloque toujours bien la position. Ça y est, il y a eu cavalier prend D3. Dame prend et cavalier D4. Elle essaie d'enfumer Adams. C'est parti. Cavalier D4. Et oui, c'est pas... Qu'est-ce qui se passe au cavalier prend cavalier suivi de E5?
Oui, ça réveillera un peu le full case blanche de Oui, Colbert. Mais d'un autre F6, côté. F6 a l'air de calmer. Hein. F6 a été joué. Oh là là, ça chauffe. Hein. F6. Ouf. Menace. Menace dame G3. Ah oui, il faut absolument empêcher. Il faut prendre en F6 alors. Tour E6 a été joué. Et oui, eh oui, incroyable, incroyable. Fou et 7, non mais ça y est, je crois que là ça tourne elle mal. Elle va devoir donner la qualité. Ouais, mais... Elle va devoir... mais non, mais ça perdrait tout de suite. Non, elle c'est va... pas sûr, elle peut jouer dame C7. Ouais, mais elle va se faire mater sur case noire, Stéphane. Non, on va tour prend 7 seul coup, tour prend 7 seul coup, Eloi. Dame G3, dame G5, dame H6, et c'est mat. Il faut jouer tour prend E7. Dame mais... E8 a été jouée. Dame E8, qu'est-ce qu'elle a vu? Qu'est-ce qu'elle a vu, Robert? Elle a rien vu. Elle a rien vu, ça doit être ça. Dame G3, il va jouer Michael Adams. Dame G3, c'est ce coup qui menace mat en G7. Ensuite, la dame pourra monter ici, puis en H6, et c'est mat. Qu'est-ce qu'elle a vu, Judith ah Polgar, oui, dans cette position? Il y a une seule défense, Éloi. Ce sera de mettre le roi en H8 et la dame en G8. C'est pas joli, mais c'est la seule défense. Ouais, mais il va quand même jouer dame G3, Michael Adams. Ça y est, c'est fait. G6, elle l'a joué, Judith Polgar. Et maintenant, comment ça se passe? Je pense qu'il va prendre le cavalier D4. Ça se passe... Là, il faut rester sur la position, puisque les joueurs n'ont plus beaucoup de temps. Il y a 3 minutes et 3 minutes. Cavalier prend cavalier D4, c'est possible, ça peut être joué d'un instant à l'autre par Michael. Ça y est, c'est fait, il l'a fait. Judith va reprendre du pion. Michael a repris de la tour. Pion de plus. Un pion de plus pour Michael Adams. À noter que C2 et E4 sont en prise, Robert. C'est important, mais l'ordinateur annonce net avantage pour Michael. Eh oui, puisque le pion 4 n'est pas vraiment en prise. Si on le prend, il y a dame F4 et dame H6. Ce qui risque de se passer, c'est qu'elle va donner la qualité et perdre la finale. Hein. Oui, tout à fait. La menace positionnelle de Michael Adams, c'est de jouer C2, C4. Ce fou en E7 est trop fort, comme tu l'as dit Robert, il va falloir donner la qualité. Au niveau du temps, il reste un peu moins de 3 minutes à Michael Adams et un peu moins de 3 minutes à Judith, donc égalité. Coup pour coup, comme d'habitude. Coup pour coup, mais la position s'est détériorée. Alors qu'on est au 28e coup. 28e coup, ils sont donc très très loin des ajouts de temps. On voit Michael Adams ici, Judith Polgar qui réfléchit, elle ne sait pas quoi faire. Comment arnaquer Michael Adams? Arnaquer l'inarnaquable, elle joue H6. Pas mal. Bonne défense. Hein. H6, une défense intéressante. Michael Adams va sans doute jouer C4. Ou Dame F4 d'abord. Dame F4, C4. J'aime bien C4, moi, suivi de Dame F4. Il faut pas oui, donner le pion C2. Ouais. Dame F4 d'abord. Ça revient au même. C4, ouais, joué par Michael Adams, ça y est. Ouais, là, c'est fini. C'est de la boucherie. C'est de la boucherie. Elle va jouer au Roi H7, Judith. Fou C6. Non, non, non. Elle va jouer au Roi H7, sans doute. C'est probable. C'est le coup attendu de Judith Polgar. Non. Qu'est-ce qu'elle a joué? Qu'est-ce qu'elle a joué? B5. Ah, les selles en fume complètement. Ça y est, c'est la tentative d'enfume. Elle ne lâche pas l'affaire, Judith Polgar. Michael Adams devrait prendre du pion A. Et ensuite, pousser C5, c'est la réaction normale. La réaction intuitive que ferait n'importe quel joueur moyen. Mais Michael Adams n'est pas un joueur moyen. C'est un top. Et donc, il va peut-être trouver autre chose. Et oui, il encaisse. Et ouais, non, il a pris, je crois, voilà. Il a ramassé. Il a ramassé les pions. Il a ramassé les pions. C'est un killer. Roi H7 a été joué. Roi H7, Judith Polgar se prémunit. Et donc il reste tellement peu de temps que nous allons passer sur l'échiquier réel des joueurs. Voilà. Tour C2 a été joué par Judith Polgar. Et la tour qui descend lentement. Tour C2. Très très chaud, extrêmement chaud. Après Dame F4 de Michael Adams, Judith Polgar joue tour C2. Vraiment, c'est une position complexe. Elle n'a pas l'air bien, Judith Polgar, elle n'a pas l'air bien. Non, Michael peut aussi jouer H4, essayer de la mater sauvagement. Je sais sauvagement. Pas si... Tour 1. Michael n'est pas un sauvage. Il est anglais, rappelons-le. Dame A8. Judith Polgar. Oui, oui. Sur E4. Ça y est, elle trouve un peu de jeu, hein. C'est effrayant. Judith Polgar trouve des trucs. H4, ça y est. Michael envoie. Ouais, Judith Polgar est quand même très très mal, mais elle a réussi à replacer ses pièces comme d'habitude. Bilan pendule, 1-40 pour les deux joueurs. 34. Alors là, on peut envisager le coup D7-D5. Ouais, mais D7-D5, il y aura E4-5. E4-5 qui enferme complètement le fou. Je ne sais pas ce que peut jouer Judith dans Dame cette A2, position. Dame A2, essayez de... Voilà. Dame A5, attaque la tour. Dame A5. Et là, que va jouer Michael? Je ne sais pas. Peut-être fou B4. Il sait qu'il est gagnant, mais il faut être précis. Eh oui, il lui reste 1 minute 30.
1 minute 30 pour jouer 15 coups. B4 tout simplement. Avant les incrémentants. B4 c'est pas mal. B4. Dame prend B5 peut-être. Ouais, on peut Dame prend B5. Ouais. Et oui, il trouve un peu de jeu. Peut-être jouer tour B4, Michael Adams. Dame prend B5 et l'avantage c'est que ça protège latéralement le B4. Coup H5. Dame prend B5. C'est fait. Elle en fume. Hein. Non mais qu'est-ce qui se passe, Robert, sur Dame B8? C'est la question. Ouais, Dame B8. Ça menace rien, Dame B8. Fou F8. Ah, fou F8. C'est ça le truc. Menace Dame prend H6. Judith Polgar chute Dame H5. Dame H5. Forcée. Elle ne l'a pas vu pour l'instant, Judith Polgar. Elle ne l'a pas vu. Mais pourtant, c'est le seul coup. Il faut qu'elle le joue. Oh, elle l'a pas vu. Si elle l'a pas vu, c'est incroyable. Si elle ne voit pas, eh bien, si elle n'a plus qu'à abandonner. Ça y est, elle l'a vu. Dame H5. Dame H5. Tout à fait, le seul coup. Mais il y a tour prend D7 quand même. Alors qu'il reste une minute à Michael Adams contre une minute à Judith. Ça va jouer très vite maintenant. De gagner, tout simplement. Tour prend D7. A l'air très très fort. Je crois qu'il va le faire, Michael. Non, roi G1. Oh, le coup. C'est des coups hallucinogènes. Qu'est-ce qui se passe? On ne joue plus. D5. D5. E5. Tour E2. Non, la tour n'est pas allée en E2, mais en C4. C'est beaucoup plus fort. Elle joue bien, Judith Polgar, dans cette position. Peut-être que Michael va ramener son fou avec fou C5. Voilà, c'est fou D6 ou fou C5. Fou C5, c'est bien joué. Ouais. Judith redescend la tour en C2. Il faut maintenant passer par derrière avec tour 1. Dame F3. Dame F3. Et oui. Échange de dames, c'est fini. Échange de dames, c'est technique. Tour prend pion au 5, il a pas vu ça, Michael. Tour prend tour. Eh oui, alors que l'ordinateur dit que c'est égal, complètement égal. Judith a gagné. Judith a gagné. Elle a maté Michael Adams. Comment? Elle a maté Michael Adams. Dame E1 mat. Ah, oh, incroyable. Complètement incroyable. Oh là là. Complètement c'est incroyable. C'est dramatique pour Michael. Complètement incroyable ce qu'a fait Judith Polgar. Oh là là, c'est horrible ce qui est arrivé à Michael Adams. Complètement gagnant toute la partie. Et il a fini par se faire planter Dame E1 mat. Vraiment, vraiment, c'était du très très beau jeu de Judith Polgar, qui prouve une fois de plus sa capacité à s'échapper des poubelles les plus horribles. Non mais c'était vraiment perdu, mais... Elle a gagné, elle se qualifie, c'est incroyable. Et elle jouera Kasparov demain, Judith Polgar. Est-ce qu'elle arrivera à enfumer Kasparov de la même façon? Eh ben, tu connais ma réponse, Stéphane. Non. La réponse est non. Alors que nous avons maintenant à l'écran. Et Grichouk est gagnant. Grichouk contre Gourovitch. Oh non, c'est pas vrai, il va nous faire venir pour les départages. Fantastique. Si Grichouk revient. Ah ouais, il est gagnant, Grichouk. Oh là 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 là. Grichouk est gagnant. Ça y est, c'est sûr. Il va gagner cette position, Grichouk. Roi E5. Mikhail Gourovitch n'a pas réussi à s'en sortir. Incroyable qu'Adam s'est perdu cette partie. Oh là là, incroyable. C'est affreux. C'était pas si simple, c'est bien ce que je disais. C'était pas si simple à jouer. Non, pas encore. Eh oui, voilà la position. Je ne sais pas si vous voyez grand-chose, mais il abandonne de toute façon Gourevitch a abandonné, donc départage Grichouk-Gourevitch ce soir à 22h. Donc les qualifiés de cette première journée, Stéphane, il y a Kasparov qui jouera demain contre Polgar. Ouais. Barayev qui jouera contre Polgar. Et Kasparov qui jouera contre Gourevitch ou Grichouk. Oui. Eh oui. Le vainqueur du départage de ce soir. Donc on vous donne rendez-vous à 22h. À 21h55. En direct du Palais des Festivals de Cannes. On vous remercie d'avoir suivi cette émission. Et vraiment, c'était du très très beau spectacle. À bientôt.
Bonjour et bienvenue sur Diagonale, l'actualité internationale du jeu d'échecs spécial Coupe du Monde avec tout de suite en cabine pour quelques mots, Laurent Fraissinet. Bonsoir Laurent. Bonsoir Eloi, bonsoir Stéphane. Alors que là nous voyons tes petites lunettes, Laurent, derrière l'écran de l'ordinateur. Ah, il voilà, faut se lever un petit peu. Voilà. Donc, tout à fait. C'est les lunettes donc, il s'agit que tu de m'as Laurent Fraissinet. Donc voilà, donc un match très intéressant entre Monsieur Grichuk et Monsieur Gourovitch. Donc la jeunesse contre l'expérience. L'expérience. Ton voilà. Pronostic, c'est ça qui nous intéresse. Le pronostic, c'est qu'en blitz, la jeunesse, à mon avis, et sa rapidité, Alexander Grichuk me semble légèrement favori. Qu'en penses-tu, Eloi? Légèrement favori, puisqu'il a des nerfs d'acier, mais Gourovitch aussi. Donc ça va être un match très très chaud, en tout cas. Donc voilà, donc maintenant que vous avez vu les commentateurs, vous allez pouvoir découvrir la salle. Voilà, donc à plus tard, mon cher Eloi et ouais. Mon cher Stéphane. Merci Laurent pour ces commentaires, et bonsoir Stéphane, évidemment, toujours présent. Oui, bonsoir Eloi. Oui, donc là, nous sommes là, nous attendons l'arrivée des joueurs, alors que nous voyons dans le public Hicham Amdouchi qui arrive. Hicham Amdouchi qui a été éliminé, un des premiers éliminés, qui vient avec Igor Nataf qui est dans le public ce soir. Igor Nataf qui est donc un ami de Alexander Grichuk, alors que Robert nous rejoint. Voilà. Robert Fontaine nous rejoint. Bonsoir. Bonsoir Robert. Donc rhabille-toi. Nous allons pouvoir commencer. Je suis habillé. Donc voilà, nous te voyons maintenant parfaitement. Oui. On te voit. Ah, là, on ne te voit plus du tout, mais c'est pas grave. Puisque nous attendons les joueurs. Grichuk contre Gourovitch, très beau match. Gourovitch, c'est le champion sortant, champion du monde de partie rapide. Il a gagné la dernière Coupe du Monde. Alors que Grichuk, c'est la fougue de la jeunesse, la révélation de cette année. Il s'en est sorti de justesse, Grichuk. Il a égalisé en remportant la deuxième. Voilà Grichuk qui arrive. Et Gourovitch, les joueurs arrivent, les joueurs sont là. Donc, Gourovitch bouteille à la main. Tombe la veste, Gourovitch. Ah, alors que Grichuk lui a déjà proposé nul, mais que Gourovitch a décliné d'un signe de tête. Ah, ils ont l'air très très détendus, les deux joueurs. Ça cache peut-être quelque chose, je ne sais pas quoi. En tout cas, Gourovitch. Ça y est, il prend sa pose habituelle. Ça y est, c'est, on le voit ici. Gourovitch. Voilà, Alexander Grichuk. Nouvelle star de l'échiquier. 19 ans, 17 ans même. Eh oui. Tout à fait. Et Gourovitch, l'expérience. Ancien secondant de Kasparov. Il l'a entraîné pendant une dizaine d'années. Alors, nous allons bientôt commencer cette partie. Je ne sais pas si tu as lancé les pronostics. Eh bien, je lance les pronostics. Stéphane, un favori? Je pense que Gourovitch est favori, mais c'est parti. C'est parti. E4. E4-6. E6. Ah, il répète la partie de tout à l'heure. D4, D5. Gourovitch et les noirs. Ah, il répète, oui. Effectivement, leur partie semi-rapide de tout à l'heure. Oh là là, ça joue une vitesse. Ça joue tellement vite que nous allons regarder l'échiquier réel pour vous commenter ses coups, puisque nous ne pouvons pas suivre. Nous ne pouvons pas suivre. Il faut donc mettre l'échiquier réel, voilà, pour que nous puissions comprendre ce qu'il se passe. C'est des parties de 5 minutes par joueur, c'est donc extrêmement rapide. Et déjà, Gourovitch met la pression. Ah, apparemment, c'est Grichuk qui a changé. Il vient de jouer fou E2 en D3. Un sacrifice de pion. Un retardement, quand même. Un retardement. D'habitude, ce sacrifice de pion, on le fait en jouant fou D3 tout de suite. Là, il le joue avec... Et Gourovitch relève le défi. Il prend en D4. Pion prend D4. Et cavalier prend D4. Il n'y a pas de bluff avec Gourovitch. C'est parti, cavalier prend. Ils ont l'air habitués de faire des blitz, hein, puisqu'ils débitent vraiment tous les coups à une allure certaine. Sacrifice d'un deuxième pion. Enfin, on sait que ce deuxième pion est difficile à prendre. Normalement, on peut le prendre quand même. Mais c'est un peu pénible. Je pense pas que Gourovitch va prendre ce pion. Il va plutôt ramener la dame sur la case B6, c'est ce qu'on fait normalement. Et voilà, il l'a fait. Gourovitch, il connaît très très bien la défense française. Voilà, c'est parti. Dame G4. Ouais, oui. C'est thématique dans cette position. C'est thématique de jouer ce genre de coup. Ça a l'air complètement faux. Ça empêche le fou F8 de sortir. Fou E3 sacrifie encore un pion. Le pion B2, mais je pense pas que Gourovitch va prendre ce pion. Dame A5. Dame A5, il y a un net avantage pour Gourovitch, non, Robert, dans cette position? Oui, c'est possible, mais attention, Grichuk a sa dame en G4 qui fixe le fou F8. Ouais, peut-être que Gourovitch va jouer cavalier G6. Oui, mais dans ce cas-là, il y a H4 qui est toujours embêtant.
H4, effectivement. Donc, c'est H4 embêtant. Et H5. C'est l'idée de ce sacrifice de pion. De toute manière, on peut pas parler véritablement d'avantage puisque on est en blitz, donc même une position supérieure n'indique pas forcément le résultat. En revanche, on peut parler de bilan pendule. Il reste 3 minutes 50 aux deux joueurs, donc c'est tout à fait équilibré. Grichuk n'a que 17 ans, Gourevitch a 40 ans d'expérience déjà dans les échecs. C'est vraiment... Ah ! Dame G3, un petit coup. Un petit coup qui ne menace rien. Protège le pion E5 sur éventuellement un coup de cavalier de Gourevitch. Gourevitch d'ailleurs joue cavalier C6 quand même. On va le voir sur l'écran, voilà. Donc cavalier vient sur la case C6 pour attaquer le pion E5. Cavalier B5 serait maintenant un coup... C'est un coup envisageable, tout à fait, Robert. Puisque Gourevitch menace D5, D4, à l'avancée du pion central qui ferait une forque. Une fourchette, donc. Une fourchette sur le fou et le cavalier. Cavalier B5, effectivement, est envisageable. Même si peut-être... On peut aussi envisager ensuite des coups comme F4 et F5. C'est vrai, mais je pense que Gourevitch va de toute façon jouer G6 très prochainement. Donc, ça ne marchera pas. Mais là, on s'inquiète quand même pour Grichuk, qui réfléchit beaucoup, beaucoup. Il n'a plus que 3 minutes, il a presque 40 secondes de retard. Et là, comme c'est vraiment du sport, eh bien, ça commence à être beaucoup. Quai B5, il l'a fait. Il est parti sur la case B5. Sacrifie encore un pion, hein, puisque Gourevitch peut prendre le pion E5. Peut prendre le pion E5. Ça a l'air risqué, mais... Il est défendu par la dame, Robert. Oui, mais fou, le fou, on essaie d'attaquer le à ce moment-là. Le fou attaque le cavalier. C'est vrai. Et je crois qu'il l'a fait, peut-être, Gourevitch. Il l'a fait. Il l'a fait, ouais, ouais. Qu'est-ce qui se passe? Quelle est la pointe? Mais qu'est-ce la qu'il pointe, a vu? C'est que les noirs ont du mal à se développer maintenant. Tour AC1. Tout simplement. Tour A5 suivi de tour C7. Grosse pression là. Énorme pression sur Gourevitch. Comment va-t-il sortir ses pièces? Fou E7 je pense. Mais fou E7 donnerait le pion G7 Eloi. Dame D7. Dame D7. Ah c'est bien vu sur tour C7 il y a fou D6. Simplifiant dans la finale. Finale nettement avantageuse pour Gourevitch. Oh mais... Ah Dame D6 il a fait. Dame C3 peut-être fou E7 dans cette position. Eh non, il ne peut pas. Qu'est-ce qu'il peut jouer Gourevitch? Mais fou D6 avait l'air... Et il y a dame prend G7. Fou E7 quand même. Oui, dame non, G7. Grosse pression de Grichuk là. Oula, Gourevitch a oublié quelque chose. Gourevitch a oublié quelque chose. Mais il a tout simplement oublié qu'il pouvait prendre G7 à mon avis. Il tour F8 seul coup. Il est perdant Gourevitch. Tour F8, tour FC1, et oui. Il est ça perdant. Va être très très difficile maintenant. Ça y est, c'est fini, Gourevitch est complètement perdant. Pulvérisé par Grichuk. Non, il peut prendre la tour. Mais non, puisqu'à ce moment-là... Ah oui, mais s'il prend la tour, il y a dame prend tour, échec, fou couvre, et fou H6, c'est ce qu'il va faire. Ouais, il était obligé de faire ça. Fou F8, voilà, c'est fait. Bilan pendule, 2 minutes 30 à chaque joueur. Très chaud, donc. Tour C1, normalement. Tour C1 ou fou H6, au choix. Tour C1 d'abord. C1 prend la colonne. Tour C1, c'est terminé. Il y a fou C5 qui arrive. Et il a une pièce de plus, Grichuk. Dame D6, fou C5. Fou C5, abandon. Tour C8. Tour C8, la ressource de Gourevitch avec le mat du couloir. Sur fou C5, il y a tour C8. Il trouve des coups, Gourevitch. La menace de Gourevitch, c'est roi D7, et il peut encore jouer au moment où on pensait qu'il était perdant. Pour apprendre le pion H7 de toute manière et faire. Très très chaud, très très chaud. Alors est-ce que le geste technique a lieu? Voilà. H3, voilà la fenêtre. H4. Roi D7, voilà. Normalement. Roi D7, dame prend H7. Voilà. Attaquer le pion F7, il faut le défendre, pas si facile. Il faut jouer. Ah oui, sur dame E7, il y a fou G5. Décidément, Grichuk. Grichuk a une longueur d'avance sur Gourevitch. Il voit plus vite que Gourevitch. Et oui, là, le c'est, H4, c'est très difficile. Il va falloir l'arrêter aussi. Très difficile pour Mihai Gourevitch. Le H4 menace d'aller à dame. Il va le pousser H5, H6, H7, H8, dame. Voilà, 2 minutes chacun maintenant. Ça va s'accélérer. Avec les couleurs inversées. Roi E8, défend le pion F7, oui. Peut-être le seul coup. H5 maintenant, on voit mal comment Gourevitch peut arrêter le pion H. Ça joue, H5 a l'air de faire très très mal. Hein. Dame G8 peut-être, non? Dame G8, effectivement. Dame G8, ça visse, il est vissé. Il menace fou C5 encore une fois. Dame que se passe-t-il sur fou C5 maintenant? Et sur fou C5, eh bien je crois que... Dame G7. Ah oh là là, Gourevitch, il se bat comme un lion. Comme un lion, Dame G7, c'est bien vu. C'est très bien vu de la part de Gourevitch. Et sur fou H6? Sur fou H6, il faut revenir en D6 avec la dame. Oui, mais... Il a trouvé une belle défense là, Gourevitch. Ah, fou H6, c'est fort quand même. Ah, il a joué fou C5 et dame G7. Non, H5, dame H5, G7. Dame G7. Dame prend, fou prend. Ça va très vite. C'est pas si clair cette position. Très, très vite. Ah, quand même, Grichuk a l'air mieux.
Tour C2, un petit coup. Roi D7. Peut-être non, D4 et D3. Roi D7, Roi D7 est loin, non ? Roi D7 et Tour C8. Ouais. Il y a égalité matérielle. D4, c'est plus fort, je pense. Retournement de situation, il semblerait que Kravchuk ait fait une faute, il n'aurait pas dû permettre l'échange des dames. C'est clair. H6. Ouais, H8 normalement. Fou vient en H8, voilà, le pion ne passera plus. C'est Gourevitch, il a repris du poil de la bête, ça se voit. Ça se voit à sa tête. Il est en train de générer des idées à tout allure. Ah, tour A5, attention, il menace le. Ah oui, voilà, il essaie de chercher le pion H, mais ça va pas être évident. Non, D2, tour B5. Je pense qu'il menace D3 maintenant. Tour B5, D3. Je pense que le chiqui a du retard là. Tout à fait, le chiqui a beaucoup de retard. Fou B4. Ah là, qu'est-ce qu'il peut faire, Gourevitch ? Tour H5 maintenant. Ça y est, on voit la tour qui se déplace lentement pour attaquer le pion. Qu'est-ce qu'il joue, Kretschouk ? Il va faire fou D2. Oh, il donne le pion H6 ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Il a donné le pion H6, Kretschouk. Ouais, mais il craque un peu là. C'est E5, surprenant. C'est surprenant. Bien pendule, il reste 1 B5. Minute 10 à Gourevitch et 50 secondes à Kretschouk. On a oublié ça, la pendule. Ça va se jouer au temps. Ça va se jouer au temps. Ça va se jouer au nerf surtout. Tour A6. Fou B4. Oh là 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 là, c'est surprenant. Fou F6, il remplace son fou Gourevitch. Oh c'est très très chaud. Beaucoup de retournements de situation. Ouais. Énormément de retournements de situation. On propose d'échanger les tours, refuser tour B5, évidemment. B6, enfermement de la tour de Kravchuk. Comment progresser avec les normes maintenant ? La tour de Kravchuk est enfermée. Mais pas pour longtemps. Hein. Ah si, peut-être. Eh oui, F5, ah, ça c'est une faute 3 ou 4, faute énorme. Oh là là. Énorme faute de Kravchuk. D3 maintenant, il ça se y décompose. Ouais, ouais, ouais. Il se décompose dans cette partie. Voilà, il va jouer le temps. Exactement comment gagner. Il reste 35 secondes à chacun. C'est au nerf, mais Gourevitch est gagnant et il sait comment faire. Échange. Oh là voilà, là, c'est fini. Ça c'est le coup de Massu. Non, Massu de Mihai Gourevitch. Ça va jouer au temps maintenant. Obligé d'échanger les tours, c'est une finale de pion. Et là, il n'y a plus aucun espoir pour Kravchuk. Aucun espoir. Gourevitch est très technique. Et la réflexion il regarde un est synonyme d'abandon. Ouais. Ah oui. Là, c'est terminé. Eh oui, abandon de Kravchuk. Abandon de Kravchuk. Gourevitch a gagné cette partie. À noter que les joueurs ne se sont pas serrés la main. Ouais, bizarre. C'est très curieux. C'est très très curieux. Vraiment surprenant tout ça. Gourevitch gagne donc la première partie avec les noirs après des retournements de situation. Complètement incroyable, Robert. Là, il était perdant, ah, était perdant, il a réussi à. Il va y avoir que 2 ou 3 minutes de repos avant de faire la seconde partie. Ouais, il a été perdant, il a retourné la situation et belle technique en finale, Lois. Eh ben, c'est-à-dire que Kravchuk a un peu sabordé sa position, il était gagnant, il s'est laissé entraîner sur la finale et ensuite Gourevitch a été complètement impitoyable. Il a pris le pion H6 sur faute de Kravchuk et après c'était du déroulage. Il a simplement déroulé les coups Gourevitch très très facilement. Facilement et Gourevitch allait blanc encore. A noter que dans les parties 50, une demi-heure chacun, Gourevitch a perdu avec les blancs aussi. Gourevitch a perdu avec les blancs. C'est vrai que dans les blitz, les blancs c'est pas si important que ça, Robert. Ouais. C'est pas ce qui est le plus important. Ce qui est important c'est les nerfs. Et c'est jouer vite. Et Kravchuk on sait qu'il en a. Gourevitch a déjà montré tout à l'heure qu'il n'avait pas réussi à faire nul avec les blancs. Ouais. Donc maintenant, effectivement, c'est très complexe comme situation. Donc là, alors que nous voyons sur scène l'arbitre qui remet les pièces, voilà, il est en train de ranger. Tout à fait, l'arbitre toujours de dos. Ah oui. Il change de panneau. Donc, il avait pourtant fait remarquer qu'il valait mieux se mettre face à la caméra, mais il ne veut pas le faire. Alors qu'on voit un Élois serein. Avec de belles lunettes. Avec de belles lunettes. Oui, tout à fait, puisqu'ici nous sommes à Cannes sur la Côte d'Azur et donc il faut s'adapter au milieu. Ça fait un peu. Alors que Stéphane, toi tu es du sud-ouest, mais tu n'es pas adapté à la mode cannoise. Non. Tu peux nous montrer que tu n'as pas de lunettes. Effectivement, je n'ai pas de lunettes. Alors que notre réalisateur demande des choses curieuses. Je l'ai donc dans mon oreillette. Oreillette qui n'est pas vraiment une oreillette, mais plutôt un casque intégral. Mais bon, c'est la technologie cannoise. Voilà donc ce qui est en train de se passer. Et là, nous avons à l'image trois commentateurs pour deux joueurs. Ce qui veut donc dire que c'est un peu curieux. Oui. Alors j'entends des bruits curieux dans mon oreille. Je crois
que je vais enlever le casque. Si, 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 c'est complètement ingérable. Ça va beaucoup mieux tout de suite. Là, je n'ai plus les commentaires. On entend des bruits qui sortent de l'appareil, mais bon. Ah oui, il est en train de s'étouffer, le pauvre. Bon, il faut donc tout ça n'a plus rien à voir avec les échecs. Oui, oui. Il faut donc recentrer le débat. Alors Stéphane, un pronostic pour la deuxième? Mais je pense que Gourevitch est bien placé et qu'il devrait arriver à faire au moins nul avec les Blancs. D'autant plus qu'il a l'expérience d'avoir perdu la revanche de tout à l'heure. Donc il ne va pas se laisser avoir deux fois. Robert, un petit pronostic? Oui, oui, je pense que Grichuk va gagner là. Je le sens bien avec les Nord. Alors, c'est pas du tout le même pronostic que vous avez fait. Non, je pense que Grichuk a les nerfs et il va revenir parce que c'était pas clair. Il a quand même. On voit qu'il joue très bien en blitz et je pense qu'il peut revenir dans le match. Ouais, tout à fait, mais là en tout cas, il n'avait pas les nerfs dans cette partie justement. Oui, il n'avait pas les nerfs, mais on sait jamais, c'est un russe. Peut-être un Grichuk qui s'est laissé intoxiquer par Igor Natav. Eh, c'est pas facile de se concentrer. Et toi, Eloi? Et moi, mon pronostic, eh bien, c'est que dans un premier temps, je vais réfléchir. Oui. Ensuite, je vais vous parler. Donc, non, je pense que Gourevitch ne va pas perdre cette partie. Mais nul ou gain de Gourevitch? Ça n'a aucune importance, puisque de toute façon, Gourevitch serait qualifié. Ouais. Donc, effectivement, je pense que Grichuk ne gagnera pas. C'est la seule chose qui est importante à dire. Dans la cabine d'à côté, nous avons Laurent Fraissinet et Jean-Luc Chabanon. Laurent Fraissinet qui a des lunettes jaunes. Et oui, c'est la mode, les lunettes en ce moment à Cannes. Ouais, même s'il n'y a pas de soleil. Il n'y a pas besoin de soleil pour porter des lunettes. Donc là, nos joueurs sont un peu longs, je trouve. Mais oui. Qu'est-ce qu'ils font? Mais c'est, moi, je trouve que c'est bizarre qu'ils ne se soient pas serrés la main. On les a vus discuter tranquillement comme des amis avant la partie. Et tout d'un coup, on ne se serre pas la main. C'est vraiment étrange. C'est bizarre. C'est pas une preuve de grand fair play. Hein. Alors c'est que bizarre. Là, notre réalisateur s'amuse à faire un plan en incrustation de la table de jeu. Eh oui, pas mal. Il est fort, ce réalisateur. Ouais, je vais écouter ce qu'il a à nous dire, d'ailleurs, à titre exceptionnel. Alors, François, un petit mot? Un petit mot, peut-être? Non, pas de gros mots. Autre chose. Non. Ah, il nous fait encore... Non, pas oh ça là non là, plus. Un effet. Non, non, je ne tirerai rien. Non. Ah là. Ouais, non, là, ils sont... Ça y est, c'est la cagade du réalisateur. Ah là là, c'est des effets de plus en plus trash. On a droit à des effets terribles. Ouais, c'est vachement sympa tout ça, mais ça ne fait pas avancer le débat. Oui, c'est bizarre que les joueurs... Ah, ça y est, l'échec est remis en place, normalement. Oui, tout à fait. Aussi bien au niveau visuel. Eh mais dis donc, eh mais me voilà bien, me voilà tout aplati, telle une crêpe. Eh oui, alors, décidément, ils s'amusent bien, là. Non, François, tu peux arrêter, là. Voilà, merci François. On te remercie. Oh là 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 là. Bah de toute façon, c'est difficile de commenter, hein, Stéphane. Je crois qu'il faut bien le dire. Bon, là, nous commentons devant un échiquier vide. Alors, effectivement, c'est vrai que on n'a plus qu'à commenter les amusements de notre réalisateur. Alors que la position est de nouveau en retour. Alors, qu'est-ce qui se passe si Gourevitch perd la partie? Eh bien, il y aura un partout, Stéphane. Oui, mais donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a encore deux blitz ou il y en a plus qu'un? Il faudra départager les joueurs, c'est sûr. Quelle et donc, une formule a été trouvée par l'organisation ici. Ils vont faire un pile ou face suivi d'une marelle. Parce qu'ils n'ont pas trouvé d'autre système. Ils n'ont pas pensé à faire une deuxième série de blitz. Une marelle, il faut aller jusqu'au ciel, c'est ça? C'est ça, exactement. Mais je pense qu'on va leur souffler l'idée de faire une nouvelle série de blitz. Et ça sera peut-être adopté. Alors que nous sommes sur la caméra de Nick. Et que se passe-t-il? Pourquoi les joueurs ne viennent pas? Bah, il y a peut-être justement quelque chose de curieux qui est en train de se passer. Peut-être que les joueurs n'ont pas envie de jouer. Et là, nous avons Judith Polgar dans le public. Eh oui, Judith Polgar. Avec son mari. On nous signale à la régie, j'espère que c'est son mari. C'est malin. C'est mal. C'est assez malin. Ah, Judith Polgar sur l'écran géant, elle va se voir, puisqu'elle est diffusée sur l'écran géant de Cannes. Et là, quand elle s'est vue, elle a... Ah, là. Je ne sais pas si c'est elle s'est vue encore. Non, elle n'est pas encore vue, là. Ah voilà, bon, les joueurs arrivent. Alors, fini de jouer. Nous allons reprendre Gourevitch et Grichuk qui se serrent la main. Gourevitch a les blancs, il faut qu'il fasse nul ou gagner pour
se qualifier et jouer demain contre Garry Kasparov. Garry Kasparov en personne, le king de Bakou. Alors peut-être justement que... C'est parti, l'arbitre a mis en route. Ça y est. Alors nous passons tout de suite sur l'échiquier et la position. Et voilà, superbe. C4, premier coup de Gourevitch. Une anglaise peut-être. Ah non, pas d'anglaise. Une estonienne. Oh, qu'est-ce que c'est que ce coup de Gourevitch? Fou G5, c'est une estonienne avec fou G5. Petit roc E3, une variante donc solide. Mais là, il y a un sacrifice de pion connu qui est intéressant pour les noirs. Je crois qu'on joue C5. Puis on prend D4 et D5 après. Pour transférer dans une sorte de Grunfeld amélioré. B6, Grichou peut jouer un système rampant. Je sais pas si ça va réussir à décontenancer Gourevitch. Il en a joué des positions, essayé, tout de suite il veut échanger les pièces. Il est horrible, Gourevitch. Cavalier C6, oh là là, c'est vraiment... Grichou qui évite les échanges. Une ouverture très bizarre, ça, Eloi. Nous avons du mal à y croire. Nous avons beaucoup de mal à y croire. Gourevitch est vraiment très très solide. Grichou a mis ses deux fous en fianchetto. Oui, surtout le cavalier en C6, c'est un peu bizarre. D'habitude, on joue D6, cavalier, BD7. Oui, normalement, on ne met pas les pièces devant les pions. Donc ouais. Ça, c'est bizarre. D'ailleurs, il réfléchit, Grichou. Il se dit, merde, ma position n'est pas bonne. D6. Oh là là, le pauvre Grichou. H3. Gourevitch ne fait rien. Il est parti pour une longue souffrance, là, Grichou. Hein. Bah, c'est-à-dire que Gourevitch, il n'a pas besoin de faire grand-chose. Hein. Il est un petit peu mieux, il joue tranquillement, rapidement, avec l'expérience qu'il a. Alors ça, c'est une formation dite de l'hippopotame, hein, avec cette structure de pion. Et oui. Cavalier E4, oui, il va échanger un maximum de pièces. Hein. Avec Gourevitch, il a l'expérience qu'il faut. Il joue cavalier E4, il échange toutes les pièces. Il n'y aura plus de pièces sur l'échiquier. Son objectif net est de faire nul. Il ne veut pas faire autre chose que nul. Ça suffit. L'expérience parle. L'expérience de Mikhail Gourevitch. Commence à réfléchir, c'est pas bon signe. Il a déjà 1 minute de retard. 4 minutes 30 pour Gourevitch. 3 minutes 30 pour Grichou. C'est dur, c'est décourageant tout ça. Il ne sait pas quoi faire, Grichou. Il faut qu'il se décloue. Il va peut-être jouer le coup H6. Non, H6 perdra un pion. Cavalier A5. Cavalier A5 permet l'échange de toutes les pièces sauf de cavalier. Alors je pense que Gourevitch, on lui dit pas deux fois qu'on peut changer des pièces. Ça y est. Là, on sait que moins il y a de pièces, moins il y a de chances de gain. Et donc Gourevitch, eh ben, évidemment, il saute sur tous les échanges, sachant qu'une nulle lui assure une qualification en demi-finale de cette Coupe du Monde à Cannes. Et donc le titre de champion du monde se rapproche pour Mikhail Gourevitch. Tour D8. Il sait pas trop quoi faire, Grichou, qui est C3. Ouais. Gourevitch a tout joué tempo. Il a plus d'une minute d'avance maintenant, Gourevitch. Je crois qu'il va encore prendre. D5, oui. Il a enfermé le cavalier B7 de Grichou maintenant. E5. Grichou ferme la position. A noter que la position est évidemment équilibrée. Il n'y a pas d'avantage pour qui que ce soit. Dame D2. Dame E7. E4. E4, il ferme tout, alors que nous avons en incrustation un plan avec les pièces de l'échiquier. Mais tout ça ne va pas sauver Grichou contre le joueur belge, Mikhail Gourevitch. Oui, on voit mal comment il pourrait s'en sortir là. Hein. La rapidité la peut-être. F8, il veut jouer F5. Il veut jouer avec F5, effectivement. Il veut replacer son cavalier aussi. Gourevitch se prépare psychologiquement à l'avancée F5. Le cavalier B7 est vraiment très mal placé. Voilà, il oui, le problème de ce cavalier, Stéphane, c'est qu'on ne sait jamais trop où le remettre. G3. Oui, il va améliorer tranquillement la position de son roi. Je crois qu'il veut jouer F4, surtout oui, Gourevitch. Oui. Avec le cavalier en D8, c'est normal. Là, il va jouer roi H2. Et puis F4 pour défendre le pion H3. Roi G2. F5, ça joue vite. F6 pour replacer le cavalier d'abord. F4. Et oui, il va jouer F5 si il menace Grichou F5. Il menace F5. Donc Grichou qui a été obligé de prendre et de jouer cavalier F7 après. L'idée de Grichou maintenant c'est G5 dans cette position. Roi H2, et oui, Gourevitch n'a pas joué très très précis. Il est pas si mal, Grichou. Il est pas si mal. Ça y est, il est en train de revenir complètement. Il joue G5, voilà. Je crois qu'il a bien géré cette position. F5. Ça y est, Grichou est légèrement mieux. Grichou est légèrement mieux. Gourevitch. Incroyable, aurait-il craqué? Eh oui, c'est possible. Dame D3, pion prend E4, ça visse. Cavalier prend ensuite, cavalier H6 de suite, cavalier F5 et loin. Ça ouais, va. Tout à fait.
Cavalier prend 4 va être joué. Non, tour prend 4. Gourevitch continue à échanger les cavalier pièces. Cavalier H6 de toute manière. Il continue à échanger toutes les pièces. Mihail Gourevitch, il a trouvé un plan. J'échange tout et je réfléchis deux après. 2 minutes pour Grichuk, 3 minutes pour Gourevitch. C'est oui, très chaud. Petit avantage pour Grichuk, non? Effectivement. Effectivement, il y a probablement un petit avantage sur Grichuk, bien que la pièce de Gourevitch soit quand même très très active. Non, F5, il va mettre son cavalier en F5 et ensuite sur la case D4, Grichuk. Tour GE1. Il va être très bien placé en D4. Il joue avec beaucoup d'énergie. Hein. On a vu Gourevitch taper sur la pendule. Alors que l'arbitre fait signe. L'arbitre fait des grands signes, l'arbitre s'énerve. Arbitre de dos. Évidemment, évidemment, il est toujours de dos. Cavalier F5, joué par Alexander Grichuk. Et oui, même si. Tour E6. Il a joué tour E6, Gourevitch. Non, mais je pense que tour E6 serait pas mal ici. Tour E6, c'est le bon coup. Tour E6, ça notait qu'il y a cavalier D4 pour chasser la tour. C'est très chaud, il a trouvé des chances, Grichuk, et si Gourevitch le rattrape autant. Eh bien, ça va être horriblement chaud. Tour prend tour. Donc Gourevitch, il s'en tient à son plan. Et dame E4 peut-être après. Hein. Ouais, ouais, tout à fait. Il va tout prendre. Échange, échange des dames. Tout a été échangé. Oui. Petit bug voilà, de l'ordinateur. Ouh là là là. Énorme bug de l'ordinateur qui ne va plus retrouver la position. Il n'y a plus de dame en D7 et plus de tour en E1. Voilà, exactement. Vous enlevez les pièces lourdes et vous avez la position qu'il joue en ce moment. Oui, c'est un énorme bug de l'ordinateur. Là. Tout à fait. Tout à fait. Un bug gigantesque. Mais Grichuk est mieux. Grichuk est légèrement mieux, mais il peut pas passer avec son roi, Grichuk. On voit qu'il est bloqué par le pion D5 et le cavalier oui, E4. Il faut protéger les pions de l'aile dame, Eloi, je sais pas si c'est si simple. Oui, si, ils mettent le cavalier en C3 tout simplement. Eh oui, mais le cavalier C3 va laisser passer le roi noir. Et ça, il n'en a pas envie. Voilà, cavalier C3. Maintenant, Grichuk monte le roi en F6. Et cavalier E4 échec. Cavalier E4 échec. Qui va obliger à repartir. Et oui. Donc il rejoue son cavalier Grichuk. Alors que là, l'échiquier nous a complètement planté. Ah, ça y est, la position est revenue. Nous y sommes. La position est revenue, c'est la position correcte. Oui, Gourevitch ne craint pas grand-chose ici. Hein. Non, il ne craint pas grand-chose. Il va jouer F5, il va échanger les pions. Il prouve qu'il est capable de faire nul, Mihail Gourevitch. Alors qu'on ne sait plus à qui c'est de jouer. Gourevitch, non. C'est au blanc. 1 minute 5 pour Grichuk. Non, c'était au noir. Il a joué A6. Et oui, la pendule de Gourevitch continue à tourner. Il reste 1 minute 10 à Grichuk. 1 minute 30 à Gourevitch. On peut pas se fier, Eloi. Parce que la pendule de Gourevitch tourne, même si. Ah, il a préparé quelque chose. De toute façon, Grichuk va jouer à fond. Cavalier A4. Cavalier A4, il y aurait B5. Et peut-être autour du cavalier en C3. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui peut se passer dans cette position. Mais a priori, Gourevitch devrait tirer sa nulle. Mais rien n'est fait. Hein. 1 minute pour chaque joueur maintenant. Ouh là là, ça va se jouer à la rapidité. Ça se joue également au nerf. 1 minute chacun restante. Gourevitch a semble-t-il trouvé un plan. Il va forcer Grichuk. Oui, il joue très très vite, Gourevitch. Là. Il a passé la surmultiplié, Mihail Gourevitch. Hop, c'est Grichuk qui, le premier, perce. C'est normal, c'est lui de gagner. Il peut prendre et jouer à 4, ça lui fera un pion passé. Oui, mais à ce moment-là, Grichuk aura un pion passé protégé. Serait faible, oui, il faut. Peut-être qu'il peut jouer avec B4, là, il peut jouer avec B4. Et oui, Grichuk est un peu mieux, là. Ah, quel G5, ça y est, Gourevitch qui se. Oh, c'est terrible, c'est terrible, ça va très vite, ça joue très très vite. Oui, alors qu'on me demande, est-ce que l'arbitre est au courant qu'il a un public. Cavalier en H5. Il a pris le pion D5. Grichuk est gagnant. Ça y est, il est gagnant, Grichuk. Il a pris le pion A2. Oh incroyable, là, il va égaliser. Fantastique. Grichuk va égaliser dans cette partie. Il reste 35 secondes normalement. Et oui, il est gagnant, Grichuk. Incroyable ce qui se passe dans ce match. Quel suspense insoutenable. Il va jouer. Il abandonne. Et il abandonne. Oh, oui. Et il abandonne. Fabuleux. Égalisation. Grichuk a gagné cette partie. Égalisation incroyable de Grichuk, décidément. C'est le joueur qui gagne avec les noirs à chaque fois. Il est vraiment extraordinaire, ce Grichuk. Et maintenant, ça devient pénible pour Gourevitch. Hein. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il faut encore 2 blitz ou un seul? Eh bien, pour ça, il faut aller se renseigner. Je vais aller voir. Voilà. Merci Stéphane, en correspondant spécial auprès des autorités compétentes. Alors que Robert, nous allons continuer à tchatcher. Nous allons continuer à parler un petit peu. Grosse partie, hein.
énorme technique de Grischuk dans la finale. C'est fabuleux ce qui s'est passé. Ouais, c'est incroyable d'arriver à battre Gourevitch dans cette position, alors que Gourevitch, on le sait, est quand même un technicien redoutable, oui, remarquable. Il a voulu échanger toutes les pièces et finalement il s'est pris dans son propre piège, puisque Grischuk a été meilleur que lui dans la finale de cavalier. C'est rare. Effectivement, d'autant plus que la finale était sans doute nulle, tout à fait nulle. Mm. Donc, impressionnant, Grischuk, vraiment impressionnant. Là, nous voyons l'écran géant qui est diffusé à Cannes. Eh bien, Grischuk-Gourevitch, premier match, un point pour Gourevitch, et deuxième match, un point pour Grischuk. Comme souvent dans ce match, eh bien, c'est la Norvège qui gagne la première et il perd la seconde. Alors qu'on me souffle. Des phrases curieuses. Alors que nous voyons sur scène Stéphane Laborde. Stéphane Laborde qui est là, qui demande à Stephen Boyd ce qui se passe. Et Stephen Boyd apparemment n'est pas au courant. Heureusement, il va lui dire quelque chose. Stéphane détendu. Alors que Stéphane revient. Il va revenir, Stéphane. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Oulala, mais où il va? Je crois qu'il s'est trompé d'endroit. Non, c'est bon. Voilà. Tout à fait. Stéphane revient, on le voit dans l'allée. Et pas mal de monde, hein, pour. Il est 22h, il est assez tard. Ouais, il y a plus d'une centaine de personnes dans la salle. C'est quand même pas mal. Alors que nous voyons Stephen Boyd qui remet les pièces sur scène. Le voilà. Stephen Boyd qui est donc l'arbitre de ce tournoi, alors que Stéphane va revenir et nous dire ce qui est prévu, alors que dans la cabine d'à côté, il y a Laurent Frassinet qui fait des signes. Je ne sais pas ce qu'il veut nous dire. Que veut-il dire, Laurent Frassinet? Alors, Stéphane, que se passe-t-il? Alors voilà, j'ai l'information, donc il s'agit de deux blitz. Il y a encore deux blitz, et s'il y a encore égalité au bout des deux blitz, il y aura la mort subite. Ah, eh bien, mort subite, c'est chaud ça, Stéphane. Bah oui, c'est le premier qui perd qui aura perdu. Ou le premier qui gagne qui aura gagné. Voilà. Alors que Laurent Frassinet nous rejoint en cabine. Oui, tout à fait. Donc je ne sais pas ce que les commentaires que vous avez donnés, mais moi j'ai été stupéfait par la technique d'Alexander Grischuk qui en moins de 30 secondes. Attention, il avait 1 minute 04, à la fin il lui reste 33 secondes. Et donc la position égale, en moins de 30 secondes, il a pris 3 pions et un cavalier à Mikhail Gourevitch qui avait une minute de plus. Alors moi j'ai trouvé ça complètement énorme. Je l'ai déjà vu jouer sur internet en blitz et il m'avait déjà impressionné. Mais alors là je suis vraiment, je suis presque amoureux d'Alexander Grischuk. Vraiment son style m'a beaucoup plu. Je sais pas ce que tu en penses. Alors que Laurent Frassinet donc me crie dans l'oreille au lieu de parler au micro. Ce n'est pas grave. Oui, tout à fait, il a bu. Je crois qu'il a bu, Laurent Frassinet, mais ce n'est pas grave. Ce qui est important, c'est son entrain. Il est jeune, rappelons qu'il a l'âge de Grischuk plus 2 ans, puisqu'il a 19 ans, Laurent Frassinet, et que Grischuk en a 17. Donc Laurent, tu es dans la même catégorie à peu près que Grischuk. Hein. Voilà, donc je l'ai vu au cours de beaucoup de compétitions jeunes, et c'est vrai que son talent s'est révélé un peu sur le tard. Mais bon, c'était quand même... C'est comme les petits Russes, hein, ils apprennent d'abord les finales et ensuite ils passent aux ouvertures pour venir massacrer les joueurs. Ça y est, Grischuk revient. Reste. Ah d'accord. Grischuk revient. Donc merci Laurent pour ses commentaires. De rien. Et voilà, ça y est, c'est reparti. Grischuk Gourevitch, deuxième série de blitz. Gourevitch a les blancs encore une fois, donc évidemment Gourevitch va gagner, c'est prévu. Comment par le règlement. C'est prévu par le règlement. Gourevitch gagne avec les blancs et perd avec les. Non, c'est l'inverse. Non, c'est l'inverse. Grischuk peut gagner maintenant. Ah oui, c'est sa chance. Oh là, c'est Gourevitch qui a les blancs en premier. Oui, c'est pas de chance. Ça a été alterné. C'est pas de chance. Il va être mené tout de suite. Puisque dans ce match, Grischuk-Gourevitch, c'est toujours les noirs qui gagnent. L'arbitre va mettre en marche sa pendule. Incroyable. Il est face au public, l'arbitre. Et oui. Et oui, c'est parti, ça y est. Alors, position. Et voilà. C'est 4. C'est reparti pour une anglaise. Et non. Ah. Grischuk change. C'est une défense Nimzovic. Oula, ça va très très vite. Non. C'est une semi-slam. Ah, c'est une semi-slam avec Dame prend C4. On se rappelle de la partie Kasparov-Kramnik, la dernière partie du match qui donna le titre de champion du monde à Vladimir Kramnik. C'était à peu près pareil. Et là, on joue normalement Dame C2 ou Fou G5. C'est au choix. Gourevitch a choisi Fou G5. C'est intéressant, ouais. Mais Grischuk connaît très bien cette partie. Hein. Grischuk connaît très bien, mais Gourevitch aussi. C'est ça qui est bien. C'est que tout le monde connaît bien. B5, Dame C2, Fou B7. Okay. E3, un petit coup. Un petit coup. A noter que c'est le troisième blitz et donc les joueurs sont moins précis, puisqu'ils ont plus. Ils se laissent entraîner par la rapidité des actions, et donc la position a de moins en moins d'intérêt. Oui, exactement. Maintenant, c'est vraiment les nerfs.
c'est tout simplement les nerfs qui jouent. Est-ce que Gourevitch va trouver les ressources suffisantes? Il a mené deux fois au score dans ce match, il s'est fait rejoindre deux fois, c'est pas facile. A6, la Grichou qui prépare le coup C5, Gourevitch qui l'empêche en jouant A2-A4. Il faut empêcher cette poussée libératrice en C5. Qu'est-ce qu'il a fait Grichou? Il a joué le fou sur la case B4 avec échec au roi. Avec un petit échec. Cavalier BD2. Petit roque normalement, sur le coup à suivre. Petit roque des deux côtés d'ailleurs. Petit roque et petit roque, tout à fait. Deux petits roques. Ça devrait arriver. C'est important de mettre le roi à l'abri. C'est clair. Oh là 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 là. Qu'est-ce qui se passe? C'est Grichouk encore qui est en retard autant. En retard, non, c'est quasi. Oui. Oui, il a 5 secondes de retard et c'est en train de s'accroître. Là, c'est le moment du plan. Grichouk doit choisir le plan. Peut-être petit roque, peut-être. C5, il a fait C5, sacrifice de pion. Oulala, réponse à tempo, tempo, mais je crois pas qu'il a pris B5. Il a d'abord pris le cavalier F6, très curieux. Il a l'air très confiant. Très curieux de la part de Gourevitch. Qu'est-ce qu'il a vu? Grichouk fait dame prend F6. Apparemment, Gourevitch a vu quelque chose. Pion prend B5, cavalier prend F6. Il a pris du cavalier. Que se passe-t-il sur le pion? Et maintenant, il prend le pion B5. Fou prend pion. Fou prend cavalier F3. Prend F3, ouais. Pion prend. Peut-être. Pion prend des cartes. Maintenant, il y a dame C6, échec. Pion de plus pour Gourevitch, mais non, mais Gourevitch est beaucoup mieux. Il est beaucoup mieux, Gourevitch. Et pourquoi, Loa? Eh bien, parce qu'après petit roque, je fais pion prend C5. Eh oui. Oui, mais. Un bon pion de plus. Avec le roi qui sera très bien sur la case E2. Ça va être très solide, tout ça. Petit roque, voilà, c'est le bon coup. Grichouk l'a joué. Et maintenant, normalement, Gourevitch devrait prendre en C5. Ça ferait un pion de plus, mais le roi blanc n'est pas en totale sécurité. Quoique, après petit roque, roi H1. Ça peut aller quand même. Ça y est, il a pris en C5. Il a pris en C5. Pion prend B5. Les tours sont en vis-à-vis. Maintenant, il faut choisir entre tour prend tour ou roi E2 tout de suite. Je pense qu'il va d'abord tour prendre la tour. Et ensuite roi E2. Voilà, c'est le flex. Tour prend, dame prend. Voilà, c'est et joué. Roi E2. Laissant passer la deuxième tour. A noter la lenteur du déplacement des pièces sur l'échiquier que vous voyez. Voilà, ça y est, c'est bon. C'est mis à jour. Un pion de plus pour Mikhail Gourevitch. Et sur tour C8, qu'est-ce qui se passe, Robert? Eh bien. Cavalier B3. Cavalier B3, voilà, on tient le pion. On tient le pion, on va jouer la tour en A1 et le pion B5 est encore faible. Alors, un pronostic là, rapidement, sur cette position. Mais là, les blancs sont mieux. Grichouk va gagner. Grichouk va gagner, Stéphane. Mais je pense que Gourevitch va gagner, moi. Et toi, Eloi? Et moi, je pense. Pas grand chose. Bah, après ce coup de massue, j'ai un petit avantage sur vous. Je suis quasiment sûr que Gourevitch va gagner cette partie. Oula, il a fait un signe de la tête, Gourevitch. Il a peut-être raté quelque chose. Cavalier E5. Gourevitch n'est pas tranquille, là. Hein. Cavalier D4, peut-être, dans cette position. Voilà, les pièces de Gourevitch montent adroitement et le fou de Grichouk en B4, vous le voyez, est très mal placé. Net avantage, Mikhail Gourevitch. Allez, il faut se lâcher là, Alexander. F5. F5, oui, mais il y a fou D3 simplement, Robert. Et oui, dame B6, d'abord. Il va jouer tour C1, Gourevitch. Non, qu'est-ce qu'il a fait? Je sais pas. F4. Il prend les devants. Cavalier G4, oui. Et G4, peut-être un coup comme fou F3 serait bienvenu dans cette position. Je verrais bien Gourevitch fou F3, mais il a peut-être peur, ouais. Du coup, E6, E5. Ou tour G1, tout simplement. Ah, tour G1, c'est très intéressant. Aussi. Dame D3. Dame D3, c'est mystérieux. Il veut attaquer le pion B5. Il attaque le pion B5, il menace dame prend B5. Et d'ailleurs, Grichouk ne peut pas le défendre. Fou C5, Eloi. Fou C5. Permettrait fou prend D4 sur dame prend B5. Oui, voilà, c'est joué. Exactement. Grichouk veut garder les dames dans cette position, et il a raison. C'est comme ça qu'il va réussir à s'en sortir, mais là, je pense que Gourevitch va jouer tour C1. Ou un autre coup. Cavalier plutôt. Fou F3. Et là, il y a E5 normalement. Ah, Grichouk n'a pas vu E5. Non, sur E5, il y avait fou prend G4 et le fou G4 attaquait la tour C8. Tout à fait, Robert. Tour D1 normalement, voilà. Tour C1 peut-être. Tour C1. Tour C1. Oui, bon avantage à Gourevitch. Ouais, ouais, énorme avantage pour Gourevitch. Et le pilon pendule, il reste 3 minutes à Gourevitch et 2 à Grichouk. Donc Gourevitch est mieux au temps, mieux à la position. A noter que Gourevitch est un mangeur de pions. On ne donne pas impunément de pions à Gourevitch. Il le prend. Dame C4 a été joué. Il veut jouer C7, Gourevitch. C'est tendu tout ça. Il veut jouer dame prend fou surtout. Il a pris le cavalier. Ouais, il a pris le cavalier D4. Normalement, Gourevitch devrait prendre de la dame. Évidemment, pour échanger les pièces. Échanger la dame. Alors là, Grichouk a le choix entre dame prend dame ou autre chose. Et Grichouk joue dame A5. Un coup responsable qui permet C7. Non, on a l'impression que C7 gagne tout de suite. C7, c'est très fort.
Ça menace fou B7. Non. Non, non. C7, il y avait tour prend C7, tout ça. Et non, puisque dame d'8 échec. C7 avait l'air de gagner. Hein. Et C7 a encore l'air de gagner. Oui, mais cavalier D5 peut-être est loin. Oui, c'est vrai. Il reste cavalier D5. Non, cavalier C7 ne gagne pas tout de suite. Qu'est-ce qu'il va faire, Gouravitch? Je pense qu'il va essayer d'améliorer sa position petit à petit. Voilà, c'est ça. Ramasser le pion B et la finale sera beaucoup plus tranquille. Tout à fait, Robert. Il veut échanger les dames, Gouravitch, en cette position, s'il y arrive. Et oui, s'il mais il arrive à échanger les dames, il sera complètement gagnant. Choupe perd le pion B, impossible de le défendre. Impossible de le défendre. Dame B5. Et dame B5, tour B4. Ah non, pardon. Interdit. Dame B5, c'est le bon coup. Dame B4, sans doute, de Gouravitch. Roi E1. Menace tour B4 maintenant. Un choix curieux. Cavalier D5, Grichou. Oui, fou prend D5. Il se laisse encore enfumer là. Oui, mais le fou est beaucoup plus fort que le cavalier, loin. C'est vrai. Dame prend D5, maintenant, dame H1 peut-être menace et. C7. On sait jamais, hein. C'est Grichou qui a vu des trucs là. Grichou qui a vu des trucs. Oui, il prend pion H2 et peut-être un perpétuel en perspective. Ça recommence à aller très très vite. Roi 2, dame proche de tour D4, menace tour D8. Dame H5. Que va faire Grichou? Dame H5 ou dame H4? Un des deux. Dame H5, il faut faire échec. Dame H5. Roi D2, dame H4 maintenant. Attaque le pion F2. Eh oui, comment faire pour Gourevitch pour éviter dame la H1 maintenant. Voilà, c'est parti. Échec, eh oui, oui, oui. Menace d'échec perpétuel. Il va tirer sa nulle peut-être. Surprenant. Gourevitch est monté en D3, je crois. Il va essayer de gagner cette position, dame il D1. A raison. Ouh là là, il prend des risques. Dame D1. Oui, mais dame D1, le roi va monter. Où il ça va monter très loin, le roi. Dame D1, il l'a fait, Grichou. Mais oui, mais où le roi monte? Eh bien, le roi monte en E4, Robert. Et dame H1. Dame H1 et le roi monte en E5. Mais tu vas te faire mater, là. Et non. Non, c'est pas moi, c'est Gourevitch qui va se faire mater. Et oui, le roi va menace de. Eh oui. Eh oui, dame H5, le roi Gourevitch. Ah non, ce n'est pas mat encore. C'est le roi qui attaque. Dame H5, roi D6. Oh, il y va. Et la dame B5 peut-être. Dame B5, dame C6, c'est hyper chaud. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, il a donné la dame. Gourevitch gagne donc cette partie avec les pièces blanches. Surprise, il a gagné avec les pièces blanches depuis la première fois dans ce match. Donc, il a un gros avantage puisque maintenant il a les noirs. Donc il a donné la effectivement, il a un énorme avantage. Il a donné la dame mais ça avait l'air perdu de toute manière. Une partie extrêmement chaude, extrêmement chaude. Donc maintenant les joueurs vont se reposer quelques instants. C'est marathon, hein, c'est marathon ce match. C'est marathon, effectivement. Pour les nerfs, ça doit être vraiment ça fait presque un match normal. Parce qu'on va avoir droit à 4 blitz, ça fait donc 40 minutes de jeu. En tout cas, ça équivaut à un semi-rapide. Alors que oui, là, nous avons Stéphane debout. Debout. Le public est debout. Le public est debout, alors que nous avons Robert petit, en bas à gauche. Et oui, je peux me redresser. Tout à fait. Voilà, vous avez donc un trio de commentateurs, une sorte de brochette, voilà, avec, à la Provençale, on le signale, puisqu'il y a... poivron rouge, une aubergine bleue et un Robert. Tout à fait. Très bonne vanne, on me signale. Ouais. Merci. merci. Oui, là, ça devient curieux. Alors, Stéphane, pronostic pour la prochaine partie. Eh bien, Gourevitch gagnant. Grichouk gagnant. Je soutiens Grichouk dans ce match. Ouais, intéressant, mais moi je ne me risquerai pas à faire de pronostic. Et pourtant, il va falloir que t'en fasses un, Eloi. Eh bien, Grichouk gagnant, parce qu'avec les blancs, il a été très impressionnant la dernière fois. Mais il a perdu ses deux parties avec les blancs. Hein. Il a pulvérisé complètement Gourevitch, évidemment, puisque c'est son adversaire. Et là, nous avons les amusements de François. Voilà. Qui fait donc des effets de style. C'est difficile de commenter ça, donc qu'est-ce qu'on peut vous dire, mis à part, donc voilà, il y a Gourevitch là. Alors pour rappeler peut-être les lois, quelles seront les demi-finales de demain? Demi-finale de demain, et bien Garry Kasparov contre le gagnant de ce match, Gourevitch Grichouk, et Judith Polgar contre Yevgeny Barayev. Ouais, ça va être dur. Très intéressant. Ça va être dur pour Judith et c'est dommage puisqu'on aurait bien aimé une finale Kasparov-Polgar. Oui, mais on a dit que c'était dur pour Judith contre Adams et pourtant elle l'a arnaqué donc. Ah, c'était plus dur contre Adams que contre Barayev, bien sûr. Oui. Puisque Adams c'est quand même un des meilleurs joueurs du monde de partie semi-rapide. Donc effectivement, demain, très très beau match en perspective, mais alors on ne connaît pas l'ordre des matchs, donc on ne sait pas lequel aura lieu en premier. Effectivement, c'est un problème. Voilà,
Donc là, nous avons amené du matériel haut de gamme, ce qui nous permet donc de nous amuser comme des fous. Voilà. C'est très sympathique tout ça. Une bulle. Une petite bulle, qui peut s'agrandir, alors, et qui va finir par effacer Gourevitch, qui était le seul élément intéressant de l'image. Voilà, bah d'ailleurs, Gourevitch s'en va, là, dépité. Dépité. Alors que nous restons sur Stéphane en centre de l'échiquier. Ouais. Et là, François, notre réalisateur, a énervé Gourevitch. Il est parti, il ne veut plus jouer d'ailleurs, il le signale à l'arbitre. Non, je ne joue plus. C'est pas possible de travailler dans ces conditions. Quand même de la ressource, hein. Mener deux fois au score, il réussit encore à gagner. C'est la classe quand même. Grichuk. Gourevitch, hello. Gourevitch a gagné la première à chaque fois. Oui, 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 c'est sans doute tout à fait vrai. Ah oui, d'accord, d'accord. Non, excusez-moi, je parle à mon casque. D'accord. C'est la fatigue, c'est la fatigue. Il faut dire qu'il y a beaucoup de travail ici, beaucoup de direct. Et en plus, effectivement, le Côte de Provence fait son effet. Nous sommes en fin de soirée. Et nous gardons l'antenne. Et les joueurs... Ah, ça y est. Les joueurs arrivent sur scène. Ça y est, Gourevitch est là. Stephen Boyd, voilà, Gourevitch à l'image. Grichuk, il se serre la main. Et donc, que va-t-il se passer? Nouveau coup de théâtre. Grichuk gagne la partie. Et oui, tout ça pour qu'on ait des... Blitz de mort subite. Mort subite. Comme la bière. Et oui, effectivement. Une petite mort subite pour la fin. Allez, ouais, c'est parti. On va se finir à la mort subite. Une française, normalement. Ah, oula, ça joue très vite. Ça y est, c'est reparti. Enfin, on avance de la française. Ça joue de plus en plus vite, c'est normal, ouais, c'est normal. Il faut qu'on voit l'échiquier, là. Voilà, absolument. Voilà, la position. Et oui. C'est la même partie. Ah, il ne prend plus le pion. Il ne prend plus le pion, Gourevitch. Et qu'est-ce qui se passe sur Kb3? Je ne comprends pas. Ah, Kb4, bon. Tour à 2, c'est très curieux. Grichuk fait quelque chose de très très bizarre. Kb7, tour 1, Kb6. Gourevitch, là, il envoie les coups. Ouais, sur, contre une préparation de Grichuk, apparemment. C'est impressionnant ce que fait Gourevitch. Il se pose pas de questions. Oui, il va développer ses pièces et puis il verra bien. Le pion A4 est en prise quand même, Robert. Et il est pris. Pris par Grichuk. Une gaffe. Oui, ça a l'air d'être une gaffe de Gourevitch. Il a joué trop vite. Peut-être. Cavalier prend pion E5, voilà, tout à fait. Ah, il y a une ressource. Ça a été joué évidemment par Mihai Gourevitch. Fou prend fou. Le cavalier va venir reprendre le fou, c'est la pointe. Cavalier reprend. Et les noirs ont égalisé, on dirait. Hein. B3, il n'a pas encore roqué Gourevitch. Cavalier D6, tout simplement. Ouais, mais maintenant je pense que Grichuk peut peut-être envoyer C4. Ouais, ça serait dans l'idée, surtout qu'il a besoin de gagner. C4 suivi de D5, tout envoyé. Il faut qu'il envoie tout. Peut-être pion prend C5. Pion prend C5. Ou C4. Il faut qu'il trouve quelque chose, Alexander Grichuk. Fou F4, fou G5. En tout cas, il a une belle position pour jouer pour le gain. Puisque ses pièces sont pas mal, Gourevitch n'a pas encore roqué. Il réfléchit encore, hein. C'est pas bon signe ça. Il est passé sous les 4 minutes. Gourevitch, il lui reste 4 minutes 33. C4 est le coup attendu et c'est joué. C'est bon. C'est joué. On y va. C4 et D5. Il envoie deux pions. Non. Puisque Gourevitch peut prendre B3. Incroyable ce que fait Alexander Grichuk. Dame prend B3, dame E2. Grand spectacle ici. Il le prend. Dame 2 pour Grichuk. Non, il prend E6 d'abord. Bien joué. Que se passe-t-il là? Intermédiaire. On ne voit plus rien. Dame prend B3. Intermédiaire. Pion prend E6. Comment tu avais tout ça, Robert? On l'a pas sur l'échiquier. On le voit. Je regarde sur le grand écran, Stéphane. C'est-à-dire que nous voyons en fait le mouvement des joueurs et nous déduisons les coups qu'ils ont faits. Et là, dame. Oula, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé quelque chose de très bizarre. Tour prend E6, roi D8. Tour prend D6, non? Tour prend D6, il y a fou prend, dame prend et la tour à 2 est en prise. Ça a l'air un peu. Un peu douteux ce qu'a fait Grichuk là. Peut-être, mais il peut encore jouer dame 2. Ah non, le cavalier B1 est en prise tout aussi. Tout est en l'air là. Tout est en prise. Il va falloir échanger les dames. Ouais, non, mais il y a fou G5 échec intermédiaire. Ah, fou G5, oui. Fou G5 suivi de dame 2. Non, suivi de tour C2. Fou G5 échec suivi de tour C2, forcé. Non, tour C2 direct. Ah non, il peut jouer. Il a tour C2 direct. Oui, tour C2, puisque sur dame prend B1, il y a fou G5 échec. Exactement. Oh là là, il a pas l'air convaincu Grichuk là. Il a eu un petit moment de relâchement. Je crois qu'il a un peu oublié. Oui, mais il menace cavalier D2 là. Cavalier D2 et ouvrir par cavalier prend C4 éventuellement. Oui, tour A6 et Gourevitch, un grand défenseur. Il a joué KC3, Grichuk. Il se replace, il se remobilise. Et non, ah, si, il remobilise ses forces. On n'y croit pas trop, mais bon.
Et pourquoi on n'y croit pas? Il y a après tout un seul pion de plus pour Gourevitch et il a toujours le roi au centre. A priori, il n'y a aucune raison que ça ne soit pas bon pour Grichuk, Robert, je crois. Oui, oui, tout à fait, j'avais pas compté les pions, mais... Et oui, ça a l'air impressionnant pour Gourevitch, mais il n'y a pas tant de pions que ça. Cavalier B6, je crois qu'il a joué... Non, c'est pas possible. Non. Il a joué un autre coup. Cavalier B5. Eh oui, Gourevitch, ça y est, il a son plan, il veut échanger les pièces. Il a trouvé cavalier son plan. Cavalier prend et tour B2 et on... Alors non, puisque la tour est attaquée. Et... La tour aussi est attaquée. Exact. Il faut trouver autre chose. Fou G5 échec. Ça y est, c'est fait. Le roi de Gourevitch est parti quelque part. C'est Grichuk qui réfléchit, ce qui veut donc dire que... Oh là 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 là, ça joue vite. Oui, oui, tour prend A6 là, non? Tour prend A6, et sur pion prend? Eh bien, A4 peut-être. Peut-être le coup. Oh là, le roi noir est très très mal. Fou F4 échec aussi est possible. C'est suivi d'une découverte du cavalier D5 pour attaquer le cavalier D7. C'est un net avantage pour Grichuk. Ça chauffe pour Gourevitch. Oh là 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 là, fantastique ce que fait Grichuk. Oh, il a vraiment un pur style d'attaque. C'est un attaquant féroce. Peut-être le cavalier va revenir sur la case de 3. Fou D6. Fou D6. Défense de Gourevitch. Fou prend. Cavalier prise prend. Et cavalier D2. Cavalier E3 peut-être dans cette position. Non, non, il faut laisser le cavalier en D5 qui est très bien placé. Loin. Ou Dame C1. Cavalier D3, il l'a joué. Il l'a joué puisque ça attaque les deux cavaliers. Effectivement. Ah oui. Cavalier en E3. Cavalier E3, roi C7. Je ne sais pas, roi C7, ça va pas l'air terrible. Cavalier D6 est attaqué. Oui, mais pourquoi? Roi C7. Forcé. J'aime pas trop cavalier, E3. Il va faire une case pour son roi, Grichuk. Là, il va jouer un petit coup de pion. Et non, je crois qu'il a joué ton coup, Robert. Cavalier D2, je crois. Oui, il va prendre C4 tout simplement. Ah oui, net avantage, Grichuk. Net avantage, Grichuk. Et le bilan pendule, il reste 3 minutes à Gourevitch et 1 minute 50 à Grichuk. Ah, pas clair. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Ouais, non, j'aime pas trop la série de coups que vient faire Grichuk là. Peut-être cavalier E5 pour Gourevitch, toujours dans l'optique d'échanger des pièces. Non, non, mais je crois que Gourevitch est très mal dans cette position. Oui, vraiment c'est très très Gourevitch est très mal, mais. Et on voit une constante dans toutes les parties où Grichuk a joué. Eh bien, le roi de Grichuk toujours en sécurité et celui de Gourevitch toujours dans le vent. C'est vraiment des belles parties d'attaque, on se croirait. Au Moyen-Âge. Allez, c'est le moment de faire une case pour le roi. Non, non, non je crois pas. Qu'il va prendre en C4, là, Grichuk. Hein. Ouais, ouais, ouais. Ah ouais c'est très fort, c'est très fort. Net avantage, énorme avantage. Le pion C5 ne peut plus être défendu. On voit le duo dame-tour qui fonctionne très très bien. Oh là là, retour au quel score. Match. Ça va être de la mort subite. On va droit à la mort subite. Ah là 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 là, quel match. Fantastique. Moi, j'arrive pas à parler tellement. Tellement je suis pris par le. L'intensité du match. Quelle émotion. Ici, ça y est, Gourevitch commence à réfléchir. Il reste 20. 1:39 à Grichuk, qui commence à accélérer la cadence. Il a vu une défense, peut-être, Gourevitch? Qu'est-ce qu'il a vu? Il échange les tours D8 pour essayer de rentrer dans une finale. Il a donné le pion C5. Finale de tour, c'est sa meilleure chance. Et roi B6. Il espère ne pas être mat, mais je vois pas comment il est pas mat. Après tour C6, je crois qu'il y a un mat forcé. Roi B7 obligé. Non, il va descendre en B8, c'est pas mat. Tour C7, roi B8. Et maintenant? Oui, il y a un coup comme G3 ou H3, puisque maintenant... Il peut prendre en G7, il va pouvoir... Ah non, oui, il va jouer G3, mais non, peut-être la finale est nulle. Mais... Superbe ce qu'a fait Gourevitch, superbe. Voilà, on sur le thème du mat du couloir, et oui, c'est une finale de tour qui a l'air nulle. Incroyable. Qui a l'air nulle, et là, on peut jouer, et quand même pion de plus pour Grichuk. Et oui, mais il a son D3, ça y est, il l'a fait. Oui, mais il a ramassé les pions à... Il a pris le pion à... Non, ça a l'air gagnant, c'est complètement gagnant pour Grichuk maintenant. Ah oui, il va prendre les deux derniers pions. Là, il faut qu'il joue vite, Grichuk. Il lui reste 1 minute 10. Enfin, il lui reste 3 pions. Il faut surtout qu'il arrive à donner la tour sur le pion. Oui, mais il va le faire. Il revient, ça y est, on l'a vu revenir sur la première. Qu'est-ce qui se passe? La tour est en. Oh là 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 là. 3 pions contre on la tour. Plus rien. Ouais, là, c'est gagnant. Ça y est, c'est fini, c'est gagnant. Il faut qu'il monte le roi et les 3 pions tranquillement. Ouais, il faut y aller, là, c'est bon. C'est un gain facile pour Grichuk. Regagner. Incroyable. Gain facile pour Grichuk. Non, attends, Eloi, c'est pas fait du tout. Il lui reste 30 secondes à Grichuk. 30 secondes. Ah, tour B4, ressource de Gourevitch. Ouh là là, l'arnaque est en marche. C'est pas vrai, qu'est-ce qui s'est passé? Oh là là, c'est nul maintenant. Ça y est, c'est nul. Oh là là, quel dommage. Incroyable. Enfin, c'est nul. Tour B4, l'arnaque de Gourevitch. C'est nul, non, c'est encore, ça doit être encore gagné, mais ça demande une énorme technique. Ça demande surtout beaucoup de temps, un investissement de temps. H6. Non, il y a une erreur. Oui, il y a évidemment une erreur, ce n'est pas la position. L'échiquier est une fois de plus planté. Ouais, se sent arrêté. Qu'est-ce qui se passe? On ne comprend plus très bien. C'est Gourevitch qui réfléchit, il veut trouver le bon plan pour faire nul. Alors que là, il faut agrandir le plan sur les joueurs pour que nous puissions les voir en pleine action. Ça y est. Qu'est-ce qui se passe? C'est complètement nul, ça y est. On aimerait bien. Ah, ça y est. Comment ça, complètement nul? C'est surtout complètement gagnant pour Grichuk. Tu penses?
Il reste 33 secondes à Grichouk. Ah oui, c'est gagnant, exact. C'est gagnant. Incroyable. Retournement de situation sur retournement de situation. Ouais. Voilà, pousser le pion F, c'est fini. C'est fini, le pion F de Grichouk va à dame. Gourevitch ne peut plus rien faire. Qu'est-ce qui se passe? Oh là là, on sent un manque de technique quand même, ou alors panique. Non. Une panique générale, mais je crois que là. Non, mais l'échiquier ne suit plus. L'échiquier, il est parti ailleurs là. Il affiche n'importe quoi. On est à 10 coups de la position. Il faut absolument qu'on voit les joueurs en grand. C'est complètement gagné ça. Il faut voir les joueurs en grand là. Voilà. C'est le seul moyen qu'on a de suivre ce qui est en train de se passer. Gourevitch va jouer, mais est-ce qu'il peut faire tomber Grichouk? Il lui reste 17 secondes. 17 secondes, ouais. Non, je crois que Grichouk va réussir à gagner. Ouais, non, c'est fini. Voilà. Nous avons la position avec le pont de Lucena maintenant. On peut remettre la position. Il y a un pont de Lucena, c'est connu. Il faut passer la tour pour aller protéger le roi. Il reste 14 secondes à Grichouk. Voilà, ça y est. C'est fait, le geste technique. Va-t-il réussir à mater dans les temps? Ouais, on n'a pas trop de doute là-dessus. Ça va très très vite pour mater. Voilà, ouais, ça y est. Il a gagné. Égalisation de Grichouk. Voilà, quel match. Égalisation de Grichouk une fois de plus, et Gourevitch qui boit encore dans sa bouteille. Il y croit pas. Là, il y croit Gourevitch, pas, ouais. Ah, ça y est, il y a un tirage au sort. On va regarder ça. Gourevitch est dépité. Grichouk va gagner le match, je pense. Hein. Il faut montrer la scène. Il y a tirage au sort pour la mort subite. Qui aura les blancs dans la première partie mort subite? Quel match! Quel match! Ils n'ont pas encore fait une seule nulle, donc la mort subite va être subite. Oh là là. Alors là, Grichouk revient de loin. Voilà, après un recadrage, vous avez trois commentateurs en cabine, et là il y a un tirage au sort. Gourevitch est en train de choisir la couleur qu'il aura dans la partie. Non, alors c'est pile ou face. Superbe mise en scène. Superbe mise en scène dans le noir de Stéphane Boyle. Ah, choix pour Grichouk. Et Stéphane Boyle qui a un peu du mal à lancer la pièce. Qu'est-ce qui se passe? Grichouk choisit apparemment. On ne comprend rien. Il a du mal à lancer la pièce, non? C'est terrible. Que se passe-t-il? On ne sait pas qui a le choix. Grichouk est mort de rire. Alors qu'on voit pas ce qu'il y a de drôle. Il joue quand même pour le titre de champion du monde, hein, Robert. Ouais, tout à fait. Vraiment, c'est curieux. Alors que Stéphane, sous la pression, nous a quittés. Je crois qu'il veut en savoir plus. Ouais, c'est possible. Sur et ce qu'il se passe. Grichouk est parti de la scène et Gourevitch reste avec l'arbitre. C'est bizarre. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont l'air d'attendre quelque chose. Ah, ouais. Grichouk va s'asseoir avec Igor Nataf, je crois. Va consulter Igor Nataf. Son consultant de luxe. Pour les blitz, c'est un bon choix, hein, puisque Igor, on sait, est un grand spécialiste. Il va peut-être lui demander quelques conseils pratiques. Quelques conseils dans les ouvertures. Ah oui, ils attendent que l'échiquier et que l'échiquier géant se remettent dans la position initiale. Ça doit être ça. Ouais, ça va être technique à faire. C'est pas facile du tout. Et donc, voilà, nous avons ici un très très beau. Une très très belle création artistique. Artistique, Stéphane Boyd entre nous. François Grox, puisque c'est son nom. Donc ici, nous attendons. On ne sait pas qui a les blancs, mais en tout cas, la prochaine partie, c'est simple. 5 minutes par joueur, le gagnant est qualifié. C'est simple. En cas de nul, on continue. Oui, tout à fait. C'est marathon, hein, c'est marathon. Mais Grichouk a les nerfs extrêmement solides. Quel match. Extrêmement solide, très beau style d'attaque. Gourevitch, un grand défenseur. C'est coup pour coup, toutes ces parties. Un coup, ça passe, un coup, ça casse. Un moral véritablement d'acier pour Gourevitch. Il mène 3 fois au score. Il se fait rejoindre à chaque fois. Eh oui. Donc là, par contre, Grichouk ne pourra pas revenir dans celle-là si jamais il perd. Eh oui, là, il faut assurer. Aucune nulle en 6 parties, quand même, c'est assez exceptionnel. C'est un très très beau match. Un très très beau match entre 2 très beaux joueurs. Ouais. Et demain, par contre, le gagnant va rencontrer Garry Kasparov. Ça, c'est pas facile. Ouais, c'est pas facile. Pas facile puisque Garry Kasparov est très très fort. C'est Grichouk qui va jouer avec les pièces blanches, donc avantage Grichouk évidemment, puisque Gourevitch en la française n'a pas été très convaincant pour l'instant. Oui, il s'est fait. Il s'est fait proprement laminer plusieurs fois. Voilà. Nous avons ce soir affaire à un match marathon, puisque on ne sait pas quand ça va se terminer, Robert. Nous sommes peut-être là jusqu'au bout de la nuit. Oui, peut-être. Mais on n'y croit pas trop. Je pense qu'il va y avoir une victoire de Grichouk encore. Moi, je dirais bien quelques nuls pour le spectacle. Tu penses? Oui, tout à fait. Tout ça pour prolonger le suspense. C'est très important. C'est très important, mais peut-être que les joueurs n'ont pas envie de faire nul. Ils veulent que ce match se termine au plus vite. Eh oui, alors que
effectivement, Garry Kasparov doit bien rigoler en regardant ses parties sur internet. Oui, oui, c'est sûr qu'il doit suivre le match. Hein, il suit le match puisque c'est son adversaire de demain qui est en train d'arriver. Donc Garry Kasparov est tranquillement dans sa chambre d'hôtel en train de regarder la réalisation de François. Eh oui, beaucoup de poids sur cette réalisation. D'ailleurs, si Garry nous regarde, je vais peut-être tomber les lunettes. Eh oui. À ton avis, est-ce que Kasparov préfère jouer Grichuk ou Gourevitch? Eh bien, je ne sais pas. C'est un choix, je pense qu'il préfère jouer Grichuk quand même. Ouais, je pense aussi. Puisque il a pris un ascendant psychologique sur Grichuk, il l'a battu deux fois dans le dernier tournoi. Mais il a fait seulement nul ici. Il a fait seulement nul ici, c'est vrai. Grichuk en semi-rapide est un excellent joueur, il fait partie de l'élite mondiale maintenant, c'est sûr. Alors que Stéphane est de retour dans la cabine, comme oui, alors vous pouvez le voir. C'est un seul blitz. Hein, oui. C'est un seul blitz, ça avait 6 minutes pour les blancs et 5 pour les noirs. Oulala. Ah, les blancs ont 6 minutes. Et donc en cas de nul? En cas de nul, c'est les noirs qui sont qualifiés. C'est les noirs qui sont qualifiés. Et Grichuk a choisi les noirs. Grichuk a choisi... Ah, il a choisi... Non, il a choisi les noirs, mais on lui a donné les blancs. C'est une fois Boy plus en a décidé ainsi. La magie. Ah, alors je sais pas. La magie du spectacle. Non, c'est peut-être Gourevitch qui a choisi les noirs. Non, mais peut-être que tu as raison, puisque les arbitres ont l'air de regarder l'échec géant et se poser des questions. Et Grichuk, oui. Si Grichuk a les noirs, oui, il peut faire nul. Il peut faire nul, mais on n'a pas vu beaucoup de nuls dans ce tournoi. C'est sûr. C'est sûr que dans ce match, à choisir, il faut évidemment prendre les blancs. Remarque, les blancs ont tendance à perdre. Donc c'est pas évident en fait. C'est vraiment aléatoire. C'est un choix complexe qu'il a fallu faire. Impossible de dire. En fait, c'est pareil. Si ça se trouve, Gourevitch a gagné le tirage au sort et a dit à Grichuk qu'il va choisir. Et Gourevitch assis avec les pièces noires. Oui, Gourevitch aura les noirs. Ouais, c'est Gourevitch qui a gagné le tirage au sort. Une nulle lui suffit à Mikhail Gourevitch. Et sur l'échiquier géant, on a... Par contre, il n'a que 5 minutes contre 6 au blanc. Voilà. Alors, c'est la dernière partie de la soirée. Grichuk contre Gourevitch. Grichuk doit gagner. Il est obligé de gagner, Alexander Grichuk. Ça y est, c'est parti. E4. Allez, c'est la cinquième française de la journée. Petite variante d'avance, oh là là. Ça recommence. Ah non, nouvelle variante de Gourevitch puisqu'il joue... Non. Ah non, 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 non. Pas de changement. Les joueurs en veulent pour leur argent. C'est sûr. Alors que là, il refait la même variante. Il a peut-être raison. Incroyable, incroyable, incroyable. C'est reparti pour cette variante. Grichuk est convaincu qu'il a raison. Faut pas oublier qu'il a moins de temps, Gourevitch, donc il faut qu'il joue plus vite. Oui, tout à fait, mais il faut aussi... Voilà, il donne plus le pion à 4, Gourevitch. Il joue fou B5 d'abord. Oui, il avait dû oublier dans le blitz précédent. Tour 1, fou B5, il avait donné le pion à 4. Cavalier là, BD2, le coup normal. Donne plus. On a confiance en Gourevitch dans ces parties-là. C'est sûr. C'est sûr que Gourevitch va sortir toutes ses pièces et Grichuk, on voit pas trop de moyens pour empêcher Gourevitch de roquer. KBD2, il a beaucoup réfléchi, Grichuk. Eh oui. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? C'est très chaud. Gourevitch échange les pièces. Nul lui suffit. C'est très important pour le déroulement de cette partie. Fou prend des deux. Alors que Gourevitch peut gagner peut-être un pion par fou C4. Oui, mais nul lui suffisait pendant toutes les autres parties où il devait gagner. Ouais, il a pas réussi, ouais, c'est vrai. Il a pas réussi. Mais là, il va peut-être y arriver. Et Grichuk, lui, par contre, quand il doit scorer, il score. Et oui. Fou E3 défend le pion D4, c'est logique. Notez que cette position a l'air beaucoup plus tranquille. Oui, oui, tout à fait. C'est à l'avantage de Gourevitch, évidemment, les positions tranquilles, puisqu'il est beaucoup plus technique que Grichuk. Grichuk, sa grande force, c'est le jeu d'attaque. Et là, il n'y a pas trop d'attaques qui se profilent sur Gourevitch. On voit la tour à 2 de Grichuk mal placée pour l'instant. Vraisemblablement, Gourevitch va jouer fou E7. Eh non, qu'est-ce qu'il a trouvé? Il a trouvé un coup curieux. Fou C4. Gagne un pion. Eh oui. Non, on ne gagne pas un pion, parce qu'il y aurait tour B1. Oui, mais on peut prendre le pion C3 ou le pion A3 après. Ouais, mais il y aurait tour prend B7 qui serait dangereux. Eh oui, mais on gagne des pions quand même, hein, tout ça. Non, mais fou E7, petit rock va être là. Il l'a pris, Gourevitch. Il prend tout. Il prend tout ce qui bouge. Il prend clairement tout ce qui bouge, Gourevitch. Tour B1, ça y est, c'est reparti pour une partie d'attaque. Oh là là. Un choix curieux de la part de Gourevitch, puisque quand même, il a besoin que d'une nulle. Là, il s'aventure un peu. Ouais, mais il peut pas résister, c'est dans sa nature. Des pions, il en a pris toute sa vie. Et c'est pas à son âge qu'il va arrêter. Mais fou prend un 4, menace là. Non, mais je pense que c'était un choix un peu douteux.
clairement. Mais il peut encore prendre le pion à 3, Gourevitch. Il y a encore un pion à prendre. Et tant qu'il y a des pions à prendre, eh bien, il les prend. Tour C7 menace aussi Eloi. À la pendule, 5 minutes pour Grichuk et 3 minutes 20 pour Gourevitch. Et oui, il est mal au temps. Grichuk a joué plus vite. Ah, Grichuk avait joué plus vite. Il semblerait que dans cette partie décisive, l'avantage soit passé aux mains de Grichuk. Pourquoi Gourevitch ne prend pas ce pion à 3? C'est la question qu'on se pose vraiment. Oui, 3 minutes seulement là, oulala. Ah, il a joué dame à 5. Non. Non, fou à 6. Fou à 6. Mais bizarre. Qu'est-ce qu'il a vu? Que se passe-t-il sur tour C7 ou tour B6? Plutôt tour B6. Tour C7, il a joué tour C8. Proposition d'échange. Non, pas tour C8. Si, si, il a joué tour C8. Que se passe-t-il sur tour prend et fou prend à 4? C'est ce qui va se passer. Il y aura fou D7 à la fin. Et Gourevitch. Ouais. Ah, il trouve le temps encore de boire. Hein, de boire de l'eau, Gourevitch. A noter qu'on ne sait pas ce qu'il y a dans la bouteille. Mais tour prend C6 aussi. Tour prend C6. C'est joué. C'est joué par Grichuk. Fou prend à 4. Fou prend à 4. Et la partie d'attaque encore. Non, mais Gourevitch est très très mal ici. Il est très mal, Gourevitch. Il est très mal. Il y a pion prend C5 qui vient. Fou prend à 4. Oh là là là. A 4 et dame B1 est là, tout simplement. C'est fini. C'est fini. Il faut jouer roi D7. Roi D7 est obligé. Oui, mais roi D7, fou prend et dame à 4 échec. Oui, ça dame B1, non, il y aura dame B1 aussi sur roi D7, voilà, dame B1 qui menace dame B6. Quel talent ce Grichuk. 4 minutes, 2 minutes 30 pour Gourevitch. Ouais, ouais, c'est et du massacre donc, cette partie pour l'instant. On se demande évidemment si Gourevitch a fait le bon choix. Maintenant ça a l'air clair. Et oui. Mauvaise idée que de prendre les noirs. Oui, ou tout simplement d'aller chercher ses pions à la roi, à la dame, pardon. Il a trouvé une défense, Gourevitch. Dame B1, c'est fini, il n'y a pas de défense. Non, sur dame B1, il a joué dame A5. Oui, mais dame prend B7, tour B1, tout simplement. Dame prend B7, dame prend A4. Et tour B1. Et tour B1, et ça joue. Ouais, mais il y a... Ou dame B8, échec d'abord, et tour B1, non mais c'est... Il y a une qualité de plus quand même pour Gourevitch. Il y a une qualité de plus. Il a trouvé une défense, Mihály Gourevitch, dans cette position. Je pense que Grichuk va quand même prendre cette tour. Mais ça ne lui plaît pas. Dame prend B7 conserve les chances d'attaque. Non, mais là, Dame prend B7 conserve les chances d'attaque. Il peut jouer fou prend tour. Ouais, il a fait fou prend tour, c'est plus normal. Fou prend, mais maintenant Gourevitch va pouvoir roquer ou échanger les dames. Sur pion prend C5, il va jouer fou au 7. C'est sûr. Sur fou, oui. Voilà, il va le faire. Là, il a la pièce dans la main, fou au 7. Ça y est, sachant qu'en finale, il y a des chances de nul. 2 minutes pour Gourevitch, 3 minutes 30 pour Grichuk. Qui a eu des 4 joué par Grichuk. Là, il va jouer Dame C7, il est obligé Gourevitch. Cavalier D4, ça fait mal. Dame C7, il y a Dame B6. Ça fait mal, Cavalier D4. Non, il faut protéger le fou et prise suite dame B8 échec. Roi D7, il sort ses pièces, Gourevitch. Il a encore des chances de nul. Il lui reste 2 minutes et 3 minutes 20 à Grichuk. C'est hyper chaud. C'est une place pour les demi-finales contre Kasparov dans cette Coupe du Monde d'échecs. Cavalier prend, roi prend. Qu'a joué Grichuk, tour C1 sera normal pour jouer dame B6 échec et rentrer dans une finale favorable. Voilà. Tout à fait, bien vu, Robert. Qu'est-ce qu'il peut faire maintenant? Il est moins bien. Hein. Il est moins bien. Il est sous pression, Gourevitch, mais il a des ressources défensives. Tour C8, mais... Dame prend H7. Oh là là. Il a donné le pion, tout simplement. Dame prend H7. Grichuk l'a pris. Oui, il l'a fait. Une fois évidemment. De plus, c'est une partie d'attaque. Et ça y est, c'est gagnant pour Grichuk. C'est gagnant. Il va tout ramasser à l'aile roi. Fou F8. Enfin, tout. Ouais, non, mais non, il est foutu, Gourevitch. Vraiment. Quel talent, quel attaquant. Et oui, petite menace. Tour B8. Et oui. Le mat du couloir. C'est vraiment, ils nous font une thématique. Hein. Ils nous font une thématique. C'est du grand spectacle. Hein. Vraiment. Là, il va bouger le pion. Il bouge la tour. Oh, il a oublié tour B8 là. Gourevitch va prendre le pion A3. Oui. Dame G8, ça rentre. Il va défendre avec dame A7, Gourevitch. Obligé. Et rien n'est fait là. C'est pas fini dame encore. Dame A7 menace fou prend C5. Eh oui, menace fou prend C5, tout à fait, Robert. Et il l'a pas vu, il a joué H4. G6, il a joué d'abord Gourevitch. Oui, plus fin. Oui, puisque fou prend C5, il y avait peut-être des choses. Et oui. Mais fou prend C5, il y avait sûrement le clouage de tour C1. Oui, mais la dame était en prise, Stéphane. Oui, mais fou H6, c'est plus. C'est moins risqué en tout ça. Ah, c'est ça. Dame H8. Mais là, il peut jouer fou prend C5. Oui, mais il y a fou prend C5, c'est pas. Ah oui, c'est clair d'aérer le roi noir. Mais dame B7, il essaie de gagner un peu de temps. 1 minute 14 seulement pour Gourevitch contre 2 minutes 20 pour Grichuk. Dame F6, je vais chaud, il va falloir qu'il accélère Gourevitch là. Il maintient la pression au temps là. Dame E7, faut qu'il échange les dames. Dame E7, c'est le geste technique. Le geste technique qui n'a pas été effectué. Tour A8, il a préféré faire. Alors que Grichuk va ramener sa dame.
Sur la case F4, oui, effectivement. Oh là là. C'est très chaud. On préfère quand même la position des blancs. Il y a beaucoup plus de chances de magouille, évidemment, en blitz. Mais là, il peut simplement jouer des coups d'attente, oui, sachant qu'il est mieux au temps. Et de toute façon, il est mieux sur la position. Il risque pas de perdre. Il est 59 secondes. Il n'y a pas de possibilité pour les noirs de ça va être très dur la position. Gourovitch a monté sa tour. 50 secondes. Il va jouer autant, hein, Grichouk. Il lui reste 2 minutes quasiment. Oh là là, oui, Grichouk va gagner. Et pourquoi Grichouk va gagner? Parce qu'il est beaucoup mieux au temps et à la position. Dame B2 propose l'échange des dames. Et à la position. Non, mais Gourovitch, il améliore Gourovitch tout le temps. Il améliore rien. Fou des cartes. Il menace l'échange des dames tout le temps. Oula, qu'est-ce qui s'est passé? Il a réussi à piquer le pion au 5. Oui, il a piqué le pion E5, Gourovitch, et ça y est, il passe maintenant la surmultipliée. Et ça y est, c'est la même, sans le pion E5. Fantastique ce que fait Gourovitch, c'est le retour avec 40 secondes. Et il lui fait la thématique technique. Est-ce que Gourovitch va perdre autant dans une position gagnante? Ça serait terrible. Ça serait vraiment terrible. Il y a Dame C4, non. Oh, il monte toutes ses pièces, Gourovitch, ça y est, là je crois que Gourovitch a pris l'ascendant sur Grichouk dans cette partie. Il est en train de revenir en force. Ah, il se prend tour bien. 1 minute 25 contre 35 secondes. Ouh là là. Oh là là, c'est tout tempo, c'est fantastique. Il y a tour B6 échec et Dame B1 après. Ouais. Toujours la pas vu pour ça. Grichouk. Ah, ce échiquier qui est lent. Qu'est-ce que c'est crispant. Grichouk est mieux là. Dame B1, ouais. Grichouk menace mat. Ah oui, il va gagner mat Grichouk, en quelques coups. Gourovitch doit trouver une défense. 20 secondes, non, c'est terminé, là. Il doit jouer quelque chose. Non, il y a Dame B5, il y a tout qui menace. Je crois pas que Gourovitch trouvera de défense. Tour B7, c'est fini. Tour B7, Roi F6, ça y est. Fou G5, c'est bientôt mat. Roi E5. C'est presque mat, mais ce n'est pas mat. Il doit y avoir un mat et loi. Oui, Fou G5 et tour point F7, peut-être qu'il va jouer Grichouk. Hein. Ouais, menace Dame B8 après. Ouais, c'est ce qu'il a joué. Ouais, il a l'air confiant, Grichouk. Eh oui, sachant qu'il n'a que 16 secondes, Mirai Gourovitch. Ouais, il va y avoir Dame B8, ça doit être mat. Tour 1, Dame B8. Fou F4, Roi D4. Non, il a fait Dame B8 d'abord. Roi D4. Ah, c'est échiquier qui est lent. Fou E3, Roi C4. C'est échiquier vraiment trop lent. Oulala, impossible à dire. Ça y est, Dame F4, ça tourne très très mal. Gourovitch, il se bat. Il se bat, mais il lui reste 12 secondes, donc on peut dire que c'est fini. Pratiquement. Il peut échanger les dames tout simplement. Oui, et C6, c'est terminé. C6. Incroyable. Voilà. Grichouk va se qualifier. C'est sûr maintenant. Il se bat quand même, Gourovitch. Il continue le fighting, il a son pion D, Gourovitch. Il a son pion D. Oui, mais. Il a pris le pion C6. Mais il a 10 secondes. Il a pris le pion C6. Il a 10 secondes. 8 secondes. Oh là là. Oh là là. Il est foutu peut-être. Il lui reste 7 secondes seulement. Ouais, non, c'est fini. Je ne comprends pas ce qui se passe. Je ne comprends plus rien. À la position. Il fight, Gourovitch. Il a 2 secondes. Il lui reste 2 secondes, Gourovitch. Oh là 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 là, on sent qu'il va tomber d'un instant. C'est pas le vrai temps. La pendule a tout arrêté. Oh là là, ça joue à tempo. Il faut voir les joueurs, c'est impressionnant. Il faut voir les joueurs. Ça va très très vite. Et oui, Stéphane. Alors que l'arbitre tente d'intervenir. Oula. Gourovitch a perdu. Ça se voit. Grichouk lève les bras au ciel. Il a gagné. 17 ans et il se qualifie pour les demi-finales du championnat du monde de partie rapide. Superbe match. Fantastique, non mais un match vraiment très très chaud en intensité, Stéphane, vraiment du grand spectacle. Pff, impossible de commenter ça, ça va trop vite. Ça va trop vite. Gourovitch, oh là là, il est déçu. Très très bon, oui, il est déçu, Mikhail Gourovitch, on le voit repartir. Donc, nous allons lâcher l'antenne puisque le match est terminé. Donc, on vous donne rendez-vous demain à 14h pour la première demi-finale qui sera probablement Kasparov contre Grichouk. Un beau match en perspective. Très beau match. On vous donne tous rendez-vous demain à 13h55. Tout ça pour un superbe match. Merci à tous de nous avoir suivis et à demain. À demain.